Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Samedi soir, 20h, c'est parti pour l'émission Insta un incroyable talent. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. On est rediffusé en live sur Instagram et sur YouTube, la famille. On a sorti le grand jeu aujourd'hui parce que je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, j'ai une putain de grosse annonce à vous faire. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. Du coup, on va déjà prendre nos premiers candidats si vous êtes chaud. Vous envoyez des demandes et moi, je vous prends tout de suite. Oui, on s'est mis dans l'ambiance un petit peu tambour. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que on a des gens qui veulent monter? Tac, oui, j'ai déjà deux demandes. Allez, du coup, c'est passage ce soir. Hello. Coucou, ça va et toi? Ça va. Ah bah écoute, c'est la première fois que tu passes dans cette émission, donc je te souhaite la bienvenue déjà avant tout. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors du coup, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, bah je suis chanteuse parisienne, je m'appelle Race. Je chante depuis très longtemps, depuis 13 ans. Ouais. Combien? Voilà, donc depuis 13 ans, presque. Ah ouais, quand même. Ah, ça fait beaucoup de temps. Ah ouais, quand même. Effectivement. Oui. Non, mais c'est bien, t'as raison, épanouis-toi. Tu viens de à peu près vers où dans la région parisienne? Quel département? C'est entre Paris et entre Boulogne. Boulogne-Billancourt? Oui, tu connais. La star du 9-2. Oui, bois de Boulogne, comme on dit à chaque fois. Oh, n'importe quoi. Oh, tu sais, il y a des gens qui rigolent de ça. Parce que moi, en plus, je suis pas française d'origine, donc. T'es d'origine américaine, anglaise, non? Non, pas du tout. Si tu devines. À quel endroit sur la carte? Quel continent? Vas-y, je vais dire l'Est. Asiatique. Non, mais pas du tout. Non, je sais pas. Non, mais l'Est européen ou l'Est... Européen. Pologne. Non. Bulgarie. Non. Roumanie. Non, pas du tout. Non. Suède. Non. Ah, vas-y, dis-le, parce que moi, j'arriverai jamais à trouver. Je vais te dire un indice, c'est le plus grand pays du monde. Russie. Russie, oui. Un peu vache. Là, ah ouais. Tu parles russe un peu, non? Non, absolument pas. Je savais dire bonjour en russe, mais je ne sais plus le dire. Si tu veux nous faire un petit cours russe, c'est le moment. Здравствуйте, по-русски. Voilà. Здравствуйте, c'est ça? Non, здравствуйте. C'est chaud, punaise. Ah bah oui, c'est chaud. Mais bon, après, ça apprend vite, en fait. Tu vois? Ah, ça s'apprend vite? Oui, vraiment. Ça, on m'a dit que c'était une langue très compliquée qui faisait... Moi, ça m'a fait super peur quand j'ai vu... Parce que j'ai pas mal de potes qui viennent des pays comme ça là-bas, enfin la Russie, la Chine et tout. Et c'est vraiment des termes hyper compliqués, je retiendrai jamais. Mais déjà, l'anglais, j'ai du mal. Alors, c'est pas pour apprendre le russe, les gars, je vous le dis. Non, tu vois, il y a des Russes qui écrivent, là. Как дела? Ça va. Ouais. Et si toi? Un jour tu veux tenter de m'apprendre, ben, je vais bien. Ça serait cool. Oui. Coucou Philomène. Merci ça va beaucoup pour le compliment. Très gentil. J'ai l'air très fatiguée par contre. Hein. Je sais pas. Je me sens pas belle là. Je suis très fatiguée. T'as pas beaucoup dormi? Ah mais du coup toi, ça veut dire que le froid là qu'on a actuellement, nous on en souffre. Mais toi au final, ça te fait rien si? C'est différent froid, je trouve. C'est pas la ouais. même chose qu'en Russie. Moi j'ai attendu la neige aujourd'hui. Ils ont dit qu'il va neiger. J'ai pas vu. J'étais triste. En France, je te préviens, à Paris la neige, tu vas la voir très difficilement. Hein. Mais j'ai vu quand tu même. Serais venu... Il y a 10 ans, il y avait beaucoup de neige ici, dans le nord, etc. Même chez moi, hein, il y avait énormément de neige. La neige nous allait jusqu'aux hanches, tu vois. Et aujourd'hui, c'est chou blanc. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus Et de neige, oui. Il n'y a plus tout. C'est vrai que ça manque un peu, mais j'ai envie de te dire, malheureusement, on n'a pas le choix de s'y faire. Hein. Et est-ce que toi qui connais bien la Russie, est-ce qu'il y a l'Himalaya en Russie, tiens? Est-ce non? que quoi? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a l'Himalaya en Russie aussi? Malaya? L'Himalaya, la chaîne de montagne.
Non, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je capte pas. C'est une grande chaîne de montagnes en fait qui traverse une grosse dizaine de pays. J'aime beaucoup ces endroits-là. L'Himalaya, c'est. Ah, c'est horrible. J'aimerais trop faire une Автономный expédition là-bas. округ. Автономный округ, если я не ошибаюсь, да. Да. Oui. Tu vois, déjà Non, ça me réfléchir dit un peu rien. des fois. Et donc, toi, tu vas souvent en vacances en Russie, etc.? Non, ça fait 2 ans que j'étais pas là-bas parce que les frontières sont fermées, mais j'aimerais Ouais. tellement y aller, je te cache pas. Parce qu'en fait, pour moi, la Russie et la France, c'est comme deux planètes différentes. Ouais, Et c'est sûr, hein. c'est très. En fait, même quand on communique avec des gens, c'est pas la même chose, tu vois. Pour moi, c'était dur au début en France parce que je me suis dit, ah, j'ai l'habitude plus en Russie. Mais je me suis adaptée quand même. Mais des fois, j'ai dit, ah, la Russie et tout, tu vois. Ouais, c'est sûr, quand tu viens de pays totalement différents, avec des cultures totalement différentes, c'est vrai que c'est compliqué de s'y adapter. Mais après, si tu as réussi à t'y adapter, déjà, félicitations, bravo à toi. Et Merci. quand tu dis c'est différent, c'est-à-dire au niveau du contact, il y a quoi de différent? Au niveau même communication, comment les gens communiquent, pour moi, je trouve, j'aime beaucoup, tu vois, la France et tout, mais en Russie, quand je communique, c'est pas la même chose en fait. Je trouve les Russes, ils sont plus ouvertes à Plus discuter, accueillant, plus accueillants, plus. J'ai l'impression, en fait, on a même le chocolat qui s'appelle la Russie est riche dans l'âme. Donc, ça veut dire que, tu vois, les Russes, ils sont très accueillants quand tu arrives en ouais. Russie. Meilleur plat pour toi, toujours bienvenue, quoi. En France, c'est la même chose aussi, mais des fois, je trouve que les gens, ils veulent pas se montrer trop, en Oui. fait, et se cachent plus, à mon avis. Non, Après, je mais peux tu as me totalement tromper. raison, je suis totalement d'accord avec toi. Dans certaines régions, après, toi, tu es en région parisienne. Donc c'est encore autre chose. Moi je sais que je suis originaire du Nord et nous c'est pareil, on est assez accueillant. On aime beaucoup parler avec les gens. Là tu vois, si j'aimerais pas parler avec les gens, je ne ferais pas ce live. Et c'est vrai que moi ça m'intéresse beaucoup un petit peu. Si tu peux me raconter un petit peu de temps en temps, des Avec choses de la plaisir. culture, parce que moi je connais pas beaucoup de personnes qui viennent de Russie. Comme je t'ai dit, je connais beaucoup de gens qui viennent du Japon, de la Chine, etc. Mais pas trop la Russie. Donc si un jour tu veux m'en parler, etc. Moi, ça m'intéresse de ouf. Je suis grave, Et grave chaud. il y a quelqu'un qui veut monter Enzo Music. Est-ce que tu peux Ouais. aider? Mais Je si vais le tu faire peux monter monter en même temps. plusieurs gens, c'est pas grave, c'est cool au contraire. Ok, c'est bon. En fait, c'est parce que j'avais pas sa demande, mais ça y est, là, j'ai sa demande. Donc, je le fais monter. Allez, c'est parti. Enzo, c'est un de mes jurys dans Ah, l'émission. Voilà. Et c'est pour ça que j'attendais d'avoir au moins un des jurys. Et à la fin, j'aurai une grosse annonce à vous faire. Et hola. Enzo, wesh mon gars, ça va ou quoi? Bonsoir. Viens quoi? Attends 2 secondes. Je vais avoir mon casque, bouge pas. Désolé, hein. Prends ton Attends que. casque, prends ton temps. T'inquiète. Je vous rappelle, on est en rediff en même temps sur YouTube. Abonnez-vous. C'est quoi ton prénom déjà? Comment se prononce-t-il? Le mien? Reis, c'est ça? Race, oui, Ouais. race. Reis. Bah, T'es très abonnez-vous à Reis. beau en vrai. Hein? Franchement, c'est quand même 5-10 minutes que depuis que tu es sur le live, depuis que tu as démarré le live, que j'y suis. Franchement, franchement j'aime bien. Ouais, C'est vrai que la bah Russie, merci. hop. Allez, Et pour bah qui du coup, se posent on va pas voilà. perdre de temps. Je vais vous présenter d'abord Enzo, qui est le jury de cette émission de ce soir. Donc Enzo, qui est chanteur à ses heures perdues, mais avant tout écolier de 16 ans, je crois, c'est ça? Si je me trompe, tu m'arrêtes. Attends, t'as dit quoi avant? Attends, j'ai pas compris là. Chanteur à quoi? Chanteur à ses heures perdues. Ah non, 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 C'est-à-dire quand t'as le temps, quoi. ouais, enfin, ouais, je suis chanteur, mais vraiment, enfin, je chante dès que je peux, quoi, franchement. Voilà, En exactement. Bah, c'est bien ce que je disais. À tes heures perdues. temps, en fait, tu vois? Ouais. Donc Ah. voilà, Enzo qui sera avec nous chaque samedi pour présenter cette émission. Instinct d'incroyable talent, il n'hésitera pas à vous dire quelque chose. Hein, c'est Enzo, quoi. Bon, bah du coup, on va Exactement. peut-être commencer l'émission. Je rappelle, bon, vous savez quoi, l'annonce, je vais la faire dès maintenant parce que sinon, ça va être trop chiant. À la fin de l'émission, nous désignerons deux personnes, comme nous sommes deux ce soir à animer le live. Nous désignerons deux personnes qui nous ont marqué pendant cette soirée, nos deux coups Quoi? de cœur. Ces deux coups de cœur seront envoyés directement Je pendant Noël sur Énergie pour chanter quelque chose.
avec mon meilleur ami qui bosse là-bas. Voilà, comme ça, c'est Oh. annoncé. Donc, si vous voulez venir chanter et passer à Énergie par la suite, eh ben, n'hésitez pas. Enzo, je compte sur toi pour, dans ta grande tête et dans ta petite mémoire, nous garder deux coups de cœur de la soirée. Et ces deux coups de cœur d'énergie pendant les vacances. Dis-moi. Est-ce que je peux pas désactiver ma cam, s'il te plaît? Parce que du coup, c'est assez chiant. Oui, pas de problème. T'inquiète, Merci. Je suis pas un connard. Du coup, Raïs, tu veux nous chanter quelque chose? Oui, je vais chanter une chanson que je sors bientôt Yeah. qui s'appelle Voilà. Au bout du monde. Elle a dû Ouais. sortir en duo, mais voilà, comme je travaille maintenant tout seul, ça va sortir tout seul Vas-y, vas-y, vas-y. en Ça solo. marche. J'aime bien Moi. l'accent russe, en plus, ça vient tout casser. Ah oui? L'accent Ouais. russe. Vas-y. Sinon, je veux parler qu'en russe avec vous. Est-ce que vous voulez dire que vous êtes comme russe? Qu'est-ce que ça va? Non, non, ça va, non. Non, Bah, je vais chanter juste couplet et le refrain. Et voilà, après, vous me Pas direz. de Je vais ça tenir comme ça marche, le micro. y a Donc, pas comme de problème. ça, voilà. Vous me direz si vous attendez la musique ou pas. T'inquiète pas. Vous attendez ou pas? Ouais, ça va. En tout cas, moi, ça va. C'est bon pour la musique, ouais. Je sais Je sais, mais c'est chiant. ce que tu penses. Oh putain. J'aimerais que tu le dises, car je sais de prendre sur moi. Je sais ce que je veux, toi. T'es pas sûr de toi. J'ai pas peur, non, 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 de t'aimer. Pour toi, j'irai jusqu'au bout du monde, j'ai pas peur, non, 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 de t'aimer, pour toi j'irai jusqu'au bout du monde. Laisse-moi, je sais. Faire ce qui te plaira, te montrer le monde et prendre ce que tu voudras. Baise-moi, je sais que te plaira. Je peux me faire exploser comme des bombes. J'ai pas peur, non, non, de t'aimer. Pour toi, j'irai jusqu'au bout du monde. J'ai pas peur, non, 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 de t'aimer. Pour toi, j'irai jusqu'au bout du monde. Et voilà. T'as une Wow. voix monstrueuse. Merci beaucoup. Franchement, mais T'as une bien. J'ai un voix peu stressé, je cache monstrueuse. pas. Tu sais quoi? Je vais pas te Oh mentir, hein. Je vais pas putain, te ouais, mentir. t'es de mes coups de Là, je suis cœur. prêt à parier. Je suis prêt à parier que tu vas être notre coup de cœur de la soirée. Je suis vraiment prêt à Ah parier. oui, non, mais On va pareil, voir, je suis hein. à dire Peut-être pareil. qu'on aura d'autres voix extraordinaires, hein. Je dis Ouais, pas mais le là, contraire. c'est. Mais là, pour l'instant, là, franchement, mais Waouh! waouh. J'ai très rarement eu ça sur mes lives. Franchement, Ouais, c'est vrai qu'on voit. C'est vrai qu'il y a des gens. Enfin, c'est très rare qu'on ait des voix comme ça parce que. Enfin, en fait, l'accent amène un truc dans ta voix. Ouais, ça ramène C'est, une douceur dans la ouais, voix, c'est une espèce de terrible. douceur. Ouais, c'est. Waouh! J'ai un peu C'est très stressé, je ne puissant. cache pas. Ça s'est Écoute, vraiment pas ressenti. je Ça sais s'est pas ce que vraiment je vais pas faire comme ressenti. métier plus tard, mais écoute, Après, je pense que je vais te renter vers la musique. plein de commentaires positifs. Et les gens, ils disent vraiment de continuer. Et moi, je t'encourage pareil, vraiment, à continuer. Parce que ça fait combien de temps que tu t'es lancé sur Instagram? Bah, en fait, j'étais avant depuis 1 an et demi. Après, j'ai supprimé tout et Oh, c'est dommage. j'ai refait ma page et voilà, donc.
Ok. Et tiens, moi j'avais une petite question aussi. Comment t'as découvert mon compte Instagram? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a partagé ou est-ce que tu m'as vu quelque part? Je t'ai vu quelque part, je crois que j'ai vu le live. Ok. Bah en tout cas, franchement, c'est super cool. Tu vas refaire une deuxième petite en anglais ou en russe même? Ça peut être cool. Bah si tu veux en russe, pourquoi pas. Vas-y. Comme ça, voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui chantent en russe sur tes lives. Ça n'est jamais Non. arrivé, hein. Là, c'est une première, hein. Voilà. Inédit. Vas-y, je commence. Allez, c'est parti. Abonnez-vous à Race en live. Ну как ты там? Я ровно год искала повод, чтобы написать о том, что ты все так же дорог, череда дорог. Но ни одна не ведет тебе, свидимся. Да только не на этой земле. Ну как ты там? Все так же куришь одну за одной, балуют для тебя женщины красотой. Здорово, а мне вот чтобы тебя забыть. Млечный путь разделяет нас, только не уснуть, не закончив рассказ, и я пролечу тысячу световых лет, чтобы сказать привет, просто сказать привет. Млечный путь разделяет нас, только не уснуть, не закончив рассказ, и я пролечу тысячу световых лет, чтобы сказать привет. Но как ты там? У меня столько новостей в городе холодно, как между мной и тобой теперь. Здорово, что научились жить не любя, заменять друг друга, заменять. Но как ты там? Все так же водишь других в кино. Странно, но мне до сих пор ведь не все равно. Здорово, что ты легко это пережил, пока я рвала жилы. Млечный путь разделяет нас, только не уснуть, не закончив рассказ, и я пролечу тысячу световых лет. Просто сказать... Млечный путь разделяет нас, только не уснуть, не закончив рассказ, и я пролечу тысячу световых лет, чтобы сказать привет, просто сказать привет. Млечный путь разделяет нас, только не уснуть, не закончив рассказ, и я пролечу тысячу световых лет, чтобы сказать привет, просто сказать привет. Voilà. Waouh. Il y a pas de mots en fait, c'est pas. Mais bon, j'ai déjà chanté cette chanson sur les lives Insta avant. C'est très très fort. Regarde le commentaire que j'ai épinglé. Oui, wow, t'es très sûr de la vie de ma mère, les mots de mes mots. Bah merci voilà. Beaucoup en tout cas. Franchement, je pense que c'est ce qui va ressortir de ta prestation de ce soir. Franchement, t'as été incroyable. Allez tous vous abonner. Mets-moi un petit commentaire. Je vais épingler ton compte. Marque abonnez-vous avec un petit cœur. Tu mets ça. Et je vais t'épingler tout de suite en commentaire. Et je compte sur vous vraiment pour vous abonner au maximum. On va prendre quelqu'un d'autre en même temps. Tu veux rester avec nous, évidemment. Tu peux rester. T'as le temps là pour rester avec nous un petit peu pour juger non, les non, autres? Je vais juste dire vite fait que voilà la chanson, elle a parlé de l'amour, que la fille, elle se séparait avec son homme. Et du coup, il n'arrête pas de l'oublier. Et du coup, il a dit que même plusieurs années qui passent, même toute ma vie passe, je n'arriverai pas à oublier toi. Voilà, juste de quoi ça parlait. Oh, mais waouh! C'est trop, trop, trop gentil. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Bah, en tout cas, tu merci repasses beaucoup quand pour tu vous. veux, tu es la bienvenue, vraiment. Ah, C'est mais tu repasses quand incroyable. tu veux, il y a Lâche beaucoup de rien, choses. lâche rien. Et Wow, si tu as été élu coup de cœur du soir, ce qui a moyen. Si tu as été élu coup de cœur du soir, je t'envoie un message et tu passes. Bah, en tout cas, on Prochainement. t'enverra un DM, mais pas de soucis. Ça marche, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne Je te profite. soirée. Non, mais je sais pas. Ça marche, merci beaucoup. Bisous, bonne Bah, soirée. pas de soucis. Gros Bisous. bisous à toi. Fais attention à toi surtout. Allez, bisous. Bisous. Allez, c'est On est parti. d'accord. On est d'accord, Allez, elle est ouf. elle est monstrueuse. Oh, mais mec, mais Franchement, moi, j'ai. vraiment un truc de fou. Elle a tué ça. Si vous aussi vous voulez passer sur Énergie, envoyez vos demandes. Il y en Et du a qui coup, on aura deux voulait coups de monter cœur. pour rapper là. Salut! Comment ça va? Ça va et toi?
Ça va toujours. Hein. Première fois que tu passes sur le live, présente-toi, tu t'appelles comment, tu viens d'où, t'as quel âge, combien de temps que tu Moi, rappes? c'est Bayatien, j'habite à Paris, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je rappe. J'avais fait une pause de 6 mois, ça fait 3 semaines que j'ai repris, j'ai 19 ans. Et voilà, c'est tout, rien de bien T'es fou. compo, cover, tu fais quoi toi? De quoi? Compo, cover, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je fais du rap. Et quel Putain, genre mais de rap? tu J'écris composes, mes est-ce sons. que... C'est-à-dire, c'est de la Ah, compo. C'est-à-dire, il y a que moi, j'écris mes sons. Je prends pas les sons des autres. Ouais, j'avais compris la question un peu après, excuse-moi. Mais ouais, non, je ok. prends tous mes sons à moi. Tout vient de moi. D'accord. Plus drill, Tu plus instrues aussi ou tu... Bah, justement, le choix, là, il vous revient. Ok, bah écoute, on va t'écouter nous lâcher un petit son. T'as une Sauf quand instru, t'as quelque chose? tu... Un truc un peu énervé, un truc un peu calme, un truc... Ouais, énervé, énervé, énervé. Direct. Et pas trop non plus. Si, si, vénère. Et si, ouais. Balance-nous ça. Laisse la prod, s'il te plaît. Ok, là, t'entends bien, là? Parfait. Ah. Un peu plus fort. Ah, c'est mieux, là. Ouais, nickel. Ah. Ok. Ah. Ah, c'est de la drill, ça. Ouais. Ouais, ATN. Ah. Ah. Eh, départ pour me dash, je prends 4 photos, je prends 4 matiques, et je taille la route, je suis défoncé, j'ouvre la fenêtre pour réveiller, de 30 vitesses de croisière, toujours mon gir allumé, je croise des photos, je vois qu'ils ont changé, je vois qu'ils sont passés de Golf à AMG, de nouveau dans le secteur E, je vois le passage du snowpiercer, défoncé, je dors dans le vito, le soir tard, j'ai lucide et malsaine, raconte pas ta vie, poto, j'ai tes potos dans le viseur, il raconte sa vie au comico, mais cette salope est baisée, ta sœur, pour ajouter son nom dans le classeur, ton image est fusillée, ton secteur est quadrillé, eh, moula moula pour mentir, eh, moula moula pour yo, eh, t'es poussé, je suis dans le merco, je rêve de l'autobahn pour me défouler, moi 60 ans, toute l'égalité, à me faire d'un pour de la bonne qualité, je rentre chez moi, j'ai les pneus pleins, arrête tes vocales, ouais, tout pété, envoie des news et je comprendrai, sous potion, je te lâche un but, eh, hein, simple, voilà. Ah, c'est chaud, Wow. c'est chaud, c'est chaud. Bravo. Chaud, Alors chaud, après, chaud, chaud. moi, enfin, je laisserai plutôt Aurélien juger parce que moi, le rap, c'est pas trop mon domaine. Mais alors, franchement, Moi, je ça, peux t'as te un dire, vraiment frère. bon flow. Voilà. Ouais, il a un flow violent. Ouais. Bien, ça fait Franchement, plaisir. ça. Bon. Les Parce que gars, moi, si du vous coup, moi, kiffez, c'est. abonnez-vous à lui. Abonnez-vous à Moi, lui au c'est maximum. plus tout ce qui est voix, tout ce qui est chant. Moi, c'est plus. Ouais, je vois le délire. Et moi, tu vois, j'utilise pas trop tout ce qui est voix, tout ce qui est chant. J'utilise plus Non, 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 des vers. mais c'est bien aussi d'avoir d'autres personnes qui chantent. Ah ouais, mais des Ouais, fois, bien. c'est sûr, franchement. Mais comme C'est ça, un comme autre ça, domaine, voilà, quoi. il y a deux personnes qui. C'est On ça. a chacun nos spécialités, on va dire. Ouais, bah c'est ça, hein. Voilà, c'est ça, Est-ce chacun que, juste, MC. attends, je posais une question parce que, putain, en fait, j'ai ma cam d'activer parce que du coup, voilà. Est-ce qu'on voit bien ou pas là où faut que je fasse quelque chose? Ouais, Céline, j'ai tout fait pour le chat. Ma sœur, elle me demande si je m'occupe bien du chat de mon père. Ouais, je m'en occupe bien, t'inquiète. Et bah, en tout cas, frérot, je te remercie en tout cas d'être passé. Tu veux nous faire autre chose? Quelque chose d'un peu Galère. plus, Tu veux un truc un peu plus calme? calme? Ouais, d'un peu plus tranquille. Vas-y, vas-y, je t'envoie ça de suite là. Allez, sur de la boom bap. Sur de la trap petite beat un peu à l'ancienne. Ah, allez. Hein? Ah, Encore Bayatn. Hein? T'entends bien la prod? Hein? ouais, c'est parfait. Mais tu gros, t'es douille aussi. Le soir dans la ville, le villeux, j'ai pété ma caretti en compagnie de Tarakli. Elle m'a dit, je suis paresseux, mais forcément, elle a pas raison au comico. Y'a confrontation, ils entendent ma version, ils entendent ta version devant le juge. Mais si cela frappe dans le pochetard, y'a des gens, ils comprennent pas que c'est des pocherons. Je voulais pas te le dire, mais forcément, ils ont mal fini, putain de merde. J'ai fini mon terre, comme ça c'est clair, arraché comme deux éclairs. Et je remonte dans l'Audi et je passe la caté, je casse la boîte. Eh,
on s'était dit que t'allais être l'offre de moi. Mais deux jours après, je te vois plus dans mes bras, de l'amour au large. Je voulais sortir mes armes, mais malheureusement, je voulais pas te faire de mal. Eh, à 2-6 dans l'auto, t'es cramé, je repense à toi. Eh, beaucoup de putes que je voulais soulever, je voulais juste te baiser. Sois pas impressionné de mon passé, je me lâche au mot passant. J'aime pas trop les meufs pour de l'argent. Eh, chaque matin, je me la dose. Midi, c'est la pause. Et je refume la dose. 100 grammes, y'a la dose, j'ai les comptes sur le dos. Et le soir, dans la ville, moi, je prends couteau dans le dos. Et quand y'a les bleus, c'est moi, je porte le maillot. Donc, obligé de mailler, obligé de payer. Donc, obligé de full up. Eh, écoute, le tech t'en vive dans le 206. Sur la NAS à 250, compte de 4 à 207. Je vois qu'il dépassait 307. Je suis dans la ville à midi 7. Eh. Voilà. Ah, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. J'aime ouais, bien. Ouais, ça va. Après, tu connais, c'est un peu plus calme aussi. Wesh Nida, ça va ou quoi? Ben, non, je ne vois plus les commentaires. Pas grave. Il y a Philomène qui a marqué « Je suis fan, genre, il a une voix magnifique, il est fait pour le rap. Thanks. » Bien vu. Toi, tu es fait pour le rap. Tu es fait pour le rap, c'est même sûr. J'avoue qu'il est très, 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 très. Est-ce que tu as une question pour nous retrouver ou... Bien, du tout, j'ai ouais, juste un Instagram. Vas-y. Et c'est le Insta où je suis là, Bayatien. Là, bientôt, ça arrive fort. Là, pour l'instant, je garde un peu mes réserves. Je fais pas grand chose en live. Vous entendrez beaucoup les mêmes sons. Mais ça arrive bientôt. Ouais, et c'est nouveau. Et que bref. Et bah, abonnez-vous, les gars. Tous les sons que je fais en live, pour moi, c'est les sons les plus nuls que j'ai écrits. Tous mes bons sons, c'est que des sons, je les garde pour les faire au studio. Donc, ça veut dire que chaque son qui va sortir du studio, ça sera toujours meilleur que mes freestyles. Ok, bah en tout cas, voilà. Merci. Ah, t'es en train de fumer une clope ou un ouinge. Ah, voilà, c'est quoi, frère? Ça se voit, ça s'entend. On Galère. Entend le kébri là derrière. Il galère, bâtard. Eh ouais, on crame, mon frère. Tu connais. C'est bon, j'ai récupéré. Je connais bien ça, t'inquiète. Non, y a pas de soucis. Bon, bah merci. Merci en tout cas, poteau, d'être passé. On va essayer de prendre d'autres gens parce qu'il y a quand même. Il y a des gens qui ont sûrement envoyé des demandes. Merci à toi, mon frérot. Je te fais pas plein de bisous. Passe quand tu veux, frère. Si tu veux repasser tout à l'heure, tu repasses. Il n'y a aucun Vas-y. Souci. Sans galère. Vas-y, allez, bisous, mon ref. Prends soin de toi. Il me semble qu'il y avait Layla 22, je crois, qui voulait passer, il me semble. Ce que j'ai c'est bien, là. C'est le flow des rappeurs. On prend un nouveau rappeur, les amis. Si vous êtes chanteur, chanteuse, envoyez vos demandes. Si vous voulez passer à Énergie pendant les vacances, c'est le moment. Les deux gagnants du soir. Passe à Énergie pendant les vacances de Noël. Salut. Bonsoir, bonsoir. Hello, ça va? Très bien, toi? Ça va. Pas très bien, vous, parce que vous êtes deux. Exactement. Oh ben, ça va. Hein. Bah, du coup, t'as dit quoi, frérot? Qu'est-ce que ça raconte, l'équipe? Ah, tu connais, à l'ancienne, toujours là, toujours présent. Carapace. C'est quoi? Carapace, vous ça savez va quoi? Je vais vous faire plaisir. Dis-moi, Carapace. Bah, vas-y, frérot, lâche-nous un petit truc si tu veux. Et puis, voilà. Swan, qu'est-ce que je deviens? Bah, écoute, pas grand-chose à l'ancienne. Je te laisse tranquille. Je suis trop oublié aujourd'hui. Je te laisse tranquille. Voilà. Bon. Bah, du coup, on attend. Qu'est-ce que vous voulez comme prod? Vas-y, mets une petite drill. Une drill? Vas-y. Ouais. Une bonne drill là. Vas-y, ça va me changer un peu. Ça va changer un peu le style. Vas-y. C'est quoi ton style, toi, du coup, normalement, à la base? Moi là-bas, c'est du boom bap, c'est de la trap, c'est de la drill, c'est du reggae, je fais un peu de tout. Ah d'accord, ouais, ça va. Ouais, t'es un peu comme moi, t'es un peu polyvalent, ouais. Exactement. C'est bien, ça, c'est... J'ai la crève, mais je vais monter dans 5 minutes, c'est bon pour toi, bro. Ouais, pas de problème, frère, quand tu veux. Aucun problème. Allez, on a encore une demande, les gars, c'est la fête ce soir, c'est la soirée des demandes. Eh ben, c'est bien. Ah, je la connais bien, cette prod. Je rappe dessus. Vas-y. Vas-y, ben, je vous l'ai refait, allô. Ça va? Ouais, attends, les gars. Hey.
J'avoue, je connais pas les paroles, mais vas-y, t'inquiète. J'aime pas les phrases que tu t'entames avec moi et tu répètes fort que j'ai pas de sentiments. Mais j'aime bien les formes que tu prends dans le noir, dans ma tête. Il fait sombre, il y a des morts, mais ça va, je te promets, j'oublie tout si tu viens sur mes draps pour un rayon de bonheur. Ben, je m'occuperai les mains et coudées. Oula, oula, oula. Vas-y, vas-y, pas de soucis. Vas-y, je la refais. Coucou Emma. C'est pas mon four là, c'est pas grave. Non, vas-y, fais-nous une boom bap si tu préfères, frérot. Une boom bap, vas-y. Si c'est mieux pour toi, on va pas te. Je sais ce qui est le plus à l'aise. C'est où pas que tu te rases. Ouais, ouais. Pas que tu te rases, que tu te rates plutôt. Non, c'est ça, c'est ça. Hop, vas-y, je vais choisir une. Allez, vas-y, une petite bomba. Abonnez-vous. Là, ça vous dérange pas si je fais le même texte parce que les autres, vas-y, je ne les connais pas. Je les connais pas forcément. Fais-toi kiffer, fais-toi plaisir. Hey, hey, écoute. Si tu racontes de Bohéma. Ça commence après la tempête. De cette putain de peine de cœur, ensuite je m'isole, en moi s'installe une grosse douleur. On m'a dit relève-toi et mon frère n'est pas peur, mais c'est encore plus profond qu'à l'intérieur. On m'appelle le rappeur, polygame, j'ai plusieurs textes en même temps. Si je rentre dans la bagarre, crois-moi ça ne durera qu'un temps. J'ai le flow à dompter, pourtant les paroles sont pas cruelles. De balles pompant, vite à t'es retrouvé mort dans une ruelle. On sait que fumer c'est pas bien, mais on le fait quand même sous drogue. Il suffit d'un rien pour que mes nerfs s'élèvent les fois comme le destin. Lui c'est seulement un rêve, un rêve. D'humain qui a peur en montée d'échelle, alors qu'il y a le parchemin pour monter marchandelle. Mes mentalités de gamin, le plus c'est pas serein. J'ai été toujours déçu des miens, toujours dégoûté de la vie. Je m'isole à chaque fois, j'essaie de rendre le monde meilleur. Je veux toujours rester armé, mon entourage me rabaisse. Je sais pas quoi faire, je suis toujours dans le bloc, toujours prêt pour la bataille. Pourquoi se faire la guerre de jour en jour? Tout ça empire, beaucoup de malheur, que du bonheur. Tout d'un coup j'ai fait un rêve bizarre, comme si je suis devenu un super saiyan. Toujours là pour vous défendre avec mon pouvoir, bang bang. Il faut juste que j'essaye d'avoir confiance en moi pour réussir mes rêves. Même si c'est pas facile, chaque jour que ces jours passent, plus ça devient compliqué dans ce monde cruel. Avec ce gouvernement, il veut chaque fois nous rabaisser. Faut juste avoir les armes pour pouvoir se défendre, pour me comprendre que la vie n'est pas si rose. Je te lance une flamme de mental, pas dans la dentale, mais c'est à toujours ses capacités pour régner dans la douleur. Toujours pas de spectateur, tu seras pas roulé en voiture parce que t'es pas un bon conducteur. Sur la route, ça commence après cette peine de cœur. Tu pensais que j'étais pas un acteur de mes propres textes. Hey, 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 c'est pas fini. Hein? Avant de connaître le meilleur, attends-toi à connaître le pire. Tu disais que tu étais mon frère, aujourd'hui t'es prêt à me la mettre. Je demande pas de l'aide, je préfère être tout seul dans ma sermie. Je parle tout seul parce que personne sait répondre. C'est à triste à voir comment les gens oublient. Mon petit, tu verras le temps brisera quelques amitiés. Je suis pas là pour être aimé, faudrait-il faire à l'idée, petit frère. Bang bang bang, dédicace Aurélien. Grâce à son life, grâce à les potos et les russes. Pao. Ouais mon ref. Ah ouais, écoute, moi je vais te donner un conseil. Alors j'aime bien ton flow, t'as le bon flow, t'es dans le rythme, etc. Mais je te préviens. Ah, si vous avez des conseils, je prends. Si vous avez des conseils, je prends tout. Alors, je vais pas te mentir, le texte, il va pas du tout avec la prod. Je sais bien que j'ai pris une prod au hasard. Et le texte, si tu veux, je t'aiderai à le travailler, mais il faut que tu le fasses plus profond, avec des rimes, avec tout ça, parce que ça fait pas trop. Tu sais, il y a pas spécialement d'histoire, il y a pas de tout ça. Ouais. Du coup, si tu veux, je t'aiderai. Mais voilà, moi c'est le conseil que je peux te donner. Si vous dans les commentaires vous en avez d'autres aussi. Mais sinon le flow est bon, la pêche est
téléphone, moi j'aime bien. Donc oh, ça va, me dérange pas de travailler avec toi, frérot. Il n'y a pas de problème. Vas-y, bah, on fait ça quand tu veux. Vas-y, mon ref. Bah écoute, je te remercie d'être passé. C'était un plaisir de t'avoir. Tu connais. Bah de rien, mais grand plaisir. Et tu repasses quand tu veux, gros. Présente-toi juste, fais ta petite pub, Insta, YouTube. Ben bonsoir, je me présente Nida tiré du bas officiel. Ça fait 2 ans que j'ai vu de ma passion que je fais du rap. Si vous voulez me rejoindre, ben je vais mettre ma chaîne YouTube en même temps. Ouais. Ça, s'il y en a qui veulent venir s'abonner ou même écouter ou même me donner des petits conseils, je suis preneur. Je prends tout. Ça marche. Voilà, bah, y a pas de problème. Voilà ma chaîne YouTube. Et bah, allez vous plaisir. Abonner. Abonnez-vous sur YouTube, sur Instagram. Parce que je vous rappelle qu'on est sur YouTube et Instagram en même temps. Merci mon frérot. Prends soin de toi. Et je te dis à très vite. Bah, de rien. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bisous frérot. Bisous, bisous. Salut. Allez, on accueille Oriane tout de suite. Salut. Désolée, salut. Et ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Du coup, au début, je voulais pas chanter, mais en fait, c'était parce qu'il fallait que je mette aussi mon ordi à charger. Mais du coup, en fait, bah, je peux chanter du coup. Ah, cool. Ah, ok, ok. Alors, attendez, ne bougez pas. Il y a Carapace qui m'a envoyé une demande. Bah, du coup, Oriane. Je vais préparer. Bah, là, il est allumé, mais il faut que je cherche la chanson juste. Du coup, là, c'est plus pour moi, du coup, ça, ce genre de. On est un peu. Mais juste, c'est quoi le concours? Je suis perdue là. En fait, alors, vas-y, explique. Tu veux expliquer? Alors, en fait, c'est pas spécialement un concours, c'est juste un live talent habituel, sauf qu'à la fin, nous, dans le live, on va désigner 2 personnes qui vont gagner la soirée et qui auront le droit à un passage sur Énergie pendant les vacances. Donc, pour l'instant, je vais pas te mentir que Ray, ça l'a fait très, très fort. Très, ouais, très, très voilà, fort. Ouais. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur, en tout cas, hein, perso. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'appelait, j'ai pas entendu, désolé. Il n'y a pas de problème, j'étais en train de te dire qu'en gros, là pour l'instant, le concours, enfin, c'est pas vraiment un concours. Vous combattez effectivement entre vous, mais c'est pas spécialement un concours. Je veux dire, il n'y a pas de pression à se mettre. Pour te dire qu'à la fin du live, le gagnant de Enzo et de moi, donc on aura 2 gagnants différents, 2 coups de cœur en fait, les 2 coups de cœur de la soirée seront conviés à passer sur Énergie. Pour venir chanter quelque chose à l'antenne d'Énergie avec mon meilleur pote Mike en l'occurrence. Énergie Belgique, faut préciser, je pense, non? Absolument, voilà. Exactement. Donc pour l'instant, on va pas vous mentir que Ray, ça l'a fait très très fort, très 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 fort même. Surtout avec sa chanson russe là. Ah mais moi les deux, les deux, elle a tapé très très fort. Franchement, elle a. Ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Mais voilà. Donc pour l'instant, c'est la gagnante, mais. Mais attention, tout peut changer. Mais tout peut changer cette émission. Tout peut basculer. Donc, envoyez-vous si vous voulez venir, si vous voulez chanter. D'autant plus qu'il y en aura pour tout le monde. Ça ne dure que 3 semaines, ce cadeau. C'est 3 fois à chaque fois, donc ça va durer 3 semaines. Et on aura aussi le gagnant du public, évidemment. Hein, on mettra en story toutes les personnes qui sont passées. Et je demanderai en sondage qui est le gagnant. Allez, du coup, Oriane. Et après, ça va être notre photo Carapace. Yes. Eh, ça me fait frétiller ton histoire, là. J'ai la pression. Le truc d'énergie, non, hein. Allez. Il y en a pas à voir. Je rigole, les gars. J'ai pas de pression, moi. Voilà, tu sais bien. Toi-même, tu sais, frérot. D'ailleurs, j'ai vu ton son d'hier. Voilà, une tuerie, hein, frère. Wow. Merci, j'ai vu le son que t'avais, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Vas-y, Oriane, lâche-nous un petit truc. Fais-toi plaisir. Fais-nous okay, plaisir. Ok, désolé. Alors, vous me dites juste que vous entendez bien la musique. Pas de pression. Attendez. On est là pour s'amuser avant tout, n'oubliez jamais ça. Donc, t'as choisi quelle musique, du coup? Ah oui, du coup, j'ai choisi Maman de Louane, si je dis pas. Allez. Ok. Bah, du coup, c'est parti. Vous me dites juste si vous entendez bien. Allez, vas-y. C'est bon? Ça passe. Oui. Tombe bien. Les amants passent de lit en lit. Dans les hôtels, sur les parkings. Pour fuir toute cette mélancolie.
le cœur des villes à mauvaise mine. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. J'te trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où les cœurs se visent, ces nuits où les promesses se tissent, aussi vite qu'elles se dilapident. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. J'te trouve pas de sens à ma quête, maman. Oh non, ça bug. Comme ta fille est faite, maman. J'ai perdu le sens à ma quête, maman. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. J'te trouve pas de sens à ma quête, maman. Ah voilà. Franchement, tu l'as bien négocié celle-ci, hein. Elle te va bien. Elle te va bien cette musique. Alors, On écoute Enzo qui avait un petit. Oui, ouais, bah. Un petit conseil. T'es stressé, ça sentait déjà malheureusement, mais c'est pas grave. Ce qui est normal, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et deuxièmement, un conseil vraiment qui est vraiment très basique, mais qui est hyper, hyper important. Ouvre un peu plus ta bouche. Ok. Parce qu'en fait, ça te permettra d'avoir de la puissance vocale, en fait. Enzo, montre-nous ta puissance vocale, toi. Moi, j'ai juste envie de lui demander quelque chose. Est-ce que tu étais debout ou assise? J'étais assise. Oui. Ouais, c'est pour ça. Mets-toi debout la prochaine fois, tu auras plus de coffre. Enfin, ouais, tu auras plus d'aisance au niveau de la respiration. Plus exactement. Que moi, et du coup, que je surmontais aussi, c'était un peu galère. Donc, vous voulez venir Vas-y, envoie-nous la sauce. Envoie-nous la sauce, Enzo. Je vais fuir les autres. Vas-y, vas-y. Tu vas voir, lui, il est trop chaud. Vas-y. Alors, je vais chanter une chanson, c'est SOS d'intérieur en détresse, c'est une chanson que j'adore. Oh, vas-y, vas-y. Vas-y. Ok, Google. Après, je vais être obligé de vous laisser, moi, les gars. Grégory Le Marchal, SOS d'intérieur en détresse, karaoké instrumental. Ah, est-ce bon, faut que tu nous après, un petit je pourrais truc, essayer le refrain si je suis quand je suis debout pour voir si j'y arrive mieux ou pas? Bah, on va juste Google. Écouter on écoutera juste Carapace avant et puis. Grégory Le Marchal, SOS d'intérieur en détresse, instrumental moi, karaoké. Moi, je chante pas, moi, je rappe, moi. Donc, ça va oui, être. Oui, oui, mais c'est pareil. Il n'y a pas d'histoire de. Okay, je ne pousserai pas la chansonnette. Allez! Grégory Le Marchal, SOS d'intérieur en détresse karaoké sur YouTube. Yes. Le gars merci, Google. Merci Alexa. Merci Google. Là tu fais de la pub de Google sur mon live. Ah. C'est bon pas la prod là comme ça. Ouais c'est bon. Let's go. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure?
voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'ai mon maître oiseau, j'ai mal dans ma peau. Voir le monde à l'envers, si jamais c'était plus beau vu d'en haut, d'en haut. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Wow. Po, po, po. Autour de l'univers. Oh. J'ai pas tiré le bon numéro. Je suis mal dans ma peau. Oh la voix. J'ai tu as envie de trop boule de dos. Une dinguerie, poteau, là. Une dinguerie. C'est un truc de c'était ouf. C'était trop beau. T'as vu, frère? Lui, c'est un tueur. Ah, lui, il a déchiré grave, ça. Eh, hey, c'est une chanson, certes. C'est pas Grégory Le Marchal qui l'a écrit, celle-là. Non, c'est... C'est Starmania. Baladale. Ouais, c'est ça. Hey, c'était pas dans Starmania? Si, c'est ah, c'est pour ça que je la connaissais, que j'étais là en train de te baquer, je me donnais genre. Non, c'était une tuerie. Je une tuerie, laisser, mon gars. Je suis désolé. Mais c'est surtout qu'à la fin, pour moi, elle a une histoire particulière, donc c'est vrai que c'est assez. Ok, Ariane, bah, on te fait un bisou. Voilà. Merci de passer, c'était génial. Salut, l'ami, se porte à toi, je me suis abonné. Salut. Avec plaisir, Ariane. Force à toi. Bisous. Alors, Carapace, après ça, est-ce que tu veux nous balancer un petit peu, un petit son dog, un petit son berger, tu vois? Soit je fais un truc violent, soit je t'ai déjà fait un truc calme à toi? Jamais? Ouais, si, tu m'as déjà fait sur un de mes lives précédents. Je t'avais fait laquelle? La semaine dernière. Je sais plus le nom, mais bah vas-y, si tu veux, fais-en une calme et après t'en fais une violente. Et comme ça, on peut faire comme ça. Mais ouais, la semaine dernière, dimanche soir, rappelle-toi, tu t'es monté et tu m'as dit... C'est celle-là? C'est celle-là que je t'avais faite? Ouais, celle-là. C'est celle-là? Mais fais-la, ouais, tu l'as pas. C'est violent, ça, c'est assez... Allez, je vais la faire. Donc voilà, petit récap. Cette chanson-là, c'est elle est sur un thème assez tabou encore de nos jours. C'est une amie à moi qui a vécu ça et qui, un jour, en discutant avec elle, je lui ai promis que je lui écrirais une chanson. Donc, j'ai écrit une chanson sur ce qui lui est arrivé, sur son histoire. C'est sur l'inceste. Ouais. Ah, d'accord. Donc, voilà. Sachant que sur l'instru, il y a la voix d'une amie à moi qui s'appelle Sky Moon Lady, qui m'a fait les vocalises derrière. Donc, un gros big up à elle.
Elle s'appelle Sky Moon Lady Tic Tac. Elle est dispo sur Insta. Elle poste pas grand chose parce qu'elle a repris les études et tout. Mais voilà, en tout cas, gros respect à elle. Ouais, je te l'enverrai après en DM. Ça va la voix et tout? On entend tout? Allez, vas-y, c'est bon, nickel, on entend très bien. Si l'instru est trop fort, t'hésites pas à me faire ça, là, pour que je baisse. Ouais, je te ferai un petit geste comme ça. Ça marche. Oh, Céleste! Non, c'est nickel. Oh, Céleste, Céleste, Céleste. Oh, Céleste, Céleste, Céleste. Ok, hey, hey. Victime d'inceste, elle a 12 ans, elle s'appelle Céleste. Innocente, insouciante, sa vie la ronge comme la peste. Depuis le jour où son oncle lui a offert une poupée. Seulement elle avait su, jamais elle n'aurait accepté. Prise de tête, casse-tête dans son cerveau. Et cervelet était l'état de son oncle. Quand avec lui, elle s'est mise à jouer. Elle fut déshabillée par Sisler, qui en a bien profité. Elle a maté, elle a fait jouer. Comment aurait-elle pu s'imaginer? Hey, comment aurait-elle pu s'imaginer qu'en un instant sa virginité serait envolée? Violée, elle l'a été, et ça en toute impunité. Elle fut forcée d'y passer, pensait que son violeur gros avait un lien de parenté. Sans gêne, il l'a fait, sans songer que dans ses veines, le même sang coulait. Sans penser aux conséquences engendrées, à savoir d'avoir assouvi sur sa nièce les choses malsaines qu'il fantasmait. Franchement, quand j'y pense, putain, ça me fait gerber. Céleste! Oh, Céleste, Céleste, sur le bas côté en feu de détresse, Céleste, Céleste. Oh, Céleste, Céleste, Céleste. Hey, de fines larmes roule sur tes joues de princesse. Aïe. Et adieu, Céleste. Wow, wow, c'est puissant. Le texte, il est ouais, très puissant. Ouais, le texte, ouais, franchement, et puis il y a les mots avec la voix aussi derrière, mais c'est wow. C'est fort, puis la voix derrière, ta pote, franchement, elle a géré aussi. Donc non, si elle regarde moi, le. Moi, je voulais savoir lui parce que la voix, l'intonation dans sa voix, elle est assez. C'est ouais, c'est sombre, tu sais, elle est un peu triste. Ouais, je me connais, elle, je elle me connais pas trop. Dans... Alors, je... non, non, mais enfin la voix de Carapace, moi je parle. Elle a vraiment ah, oui, okay. L'intonation, en fait, voilà, enfin. Il y a vraiment il y a un peu de théâtre. Bah, c'est, il a une émotion, quoi. Il met une émotion, c'est logique. C'est ça. Voilà, et... c'est ce que je veux dire. Il veut y mettre ça va, une émotion, mon frère. Et ça s'entend, on entend bien ton émotion. Et... voilà. Hein, franchement, c'est un tueur. Elle est sur YouTube, celle-là, elle est dispo? Ouais, elle est dispo depuis longtemps. Ouais, elle est sur ma chaîne YouTube. C'est K-6 rap apostrophe AS. Et vous tapez okay. Utopie, c'est le nom de l'album. Et vous trouverez ça. Yes. Bah, allez voir, voilà. Les gars, allez voir. Non, je l'ai promis, je ne peux rien faire, mais j'irai. Big up à ton amie Céleste, elle s'appelle, c'est ça, hein. C'est son prénom. Ouais, non, c'est pas son prénom, mais voilà, si elle l'écoute, elle se reconnaîtra. En tout cas, on l'embrasse, ouais. On l'embrasse fort, fort, fort. Bisous à Céleste. Merci pour elle, les gars. Bah, du coup, tu veux nous. Il n'y a pas de souci, frérot, c'est normal. Attends, on est là pour ça. Et toute ma vie, je lutterai contre ce genre de choses, contre la monstruosité humaine, que ce soit le harcèlement, que ce soit le viol, mais encore plus, plus l'inceste. C'est la chose c'est la plus grave qui est arrivée à une, ah ouais. Une gamine ou à un gamin, tu vois. Donc, ouais, non. Ouais. C'est, on est d'accord. Voilà, malheureusement, c'est encore des sujets qui sont tabous à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, ce mais tu le, vois. Le harcèlement, malheureusement, c'est ce qui est dommage. Et on est entièrement parler, d'accord. C'est important. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ce son. Tu vois, au début, même elle me disait, ouais, mais ça va pas le faire. T'es un rappeur, machin. Je lui dis, si. Je lui dis, t'occupes pas de ça. Je lui dis, un message à faire passer, bien au contraire, tu vois. Et je m'aperçois que ça parle à des milliers de gens, tu vois, que ce soit à des gamins, que ce soit à des papis, des mamies, des parents, tu vois, ça parle à tout le monde. Et au contraire, tu vois, je crois que sur mon premier album, c'est celle qui a marché le mieux. Bon, il y en a eu d'autres, mais je vais dire, dans ce genre-là, c'est celle qui marche le mieux. Ouais, bah ouais, non, mais c'est exactement ça. Normal, hein. Il est puissant le son, il est très, très, très puissant le son. Et ça, c'est le son, c'est un sample de Love Story, le film. Love Story, ça s'appelle. Ah ouais? C'est le sample de ce film-là, en fait, tu vois. C'est voilà. Et là, et ta pote, elle a rajouté sa voix dessus, c'est incroyable. C'est voilà, c'est ça.
Mais c'est ça. Ouais, par contre, ouais, franchement, les petites vocalises, ouais, c'est assez bien, j'aime bien. Et encore, là, ouais. Je suis sûr que tu les entends pas. Si tu vas sur ma chaîne, que tu l'écoutes vraiment, tu vas halluciner le coffre qu'elle a. Ça, moi, elle me fait halluciner. En plus, elle est toute petite, toute menue. Et je te jure que quand elle déboîte. Bon. Et elle chante aussi sur sa chaîne ou un truc comme ça. Alors, elle a posté quelques trucs. Je sais pas si tu les auras sur sa chaîne. Je sais qu'elle a sorti quelques sons. Elle s'est aussi essayée au rap et tout. Donc, ouais. Non, elle fait des petits trucs sympas. Mais pour l'instant, je t'ai dit, elle a mis tout ça de côté parce qu'elle reprend les études, elle taffe à côté. Donc, c'est compliqué pour elle. Mais ça va revenir. J'essaierai de l'inviter sur un des lives. Essaye de voir. Si elle est OP. Après, les lives, elle aimerait en faire, mais elle est dans les cinémas, tu vois. Elle finit à minuit tous les soirs, une heure. Donc, c'est compliqué, tu vois, pour elle. Nous, on finit à 4 heures. Donc, si un jour, quand elle rentre, elle veut qu'on. Moi, ça ne m'arrangerait pas, tu vois, de lancer un live express. En plus, t'as vu, tu la connais. C'est encore s'il n'y aurait pas de gars en commun, mais toi, t'es mon gars, tu vois. Donc, logique, je vais la faire passer. Et si mais ça peut en plus, elle a vraiment un bête de talent. Est-ce que par ce que j'ai fait de ton son, là, ça t'a rapporté un peu de gens? Oh, certainement. J'ai pas regardé. Moi, tu sais, je suis pas à regarder ça, moi. J'ai vu que, ouais, ça a bien marché. En tout cas, je te remercie parce que oui, ça. Y a pas de problème. Tu vois, tu fais 180 ou 170 vues en une journée. Tu te plains pas. Tu vois, moi, ça va. Je fais un petit peu plus que. Je crois que je dois être à 500 vues, un truc comme ça dans ma journée, à peu près. Pour un son, moi, ça va. Sachant que je connais pas énormément de gens. Et puis, voilà, tu vois, moi, je fais ça par passion. Après, les gens qui veulent m'abonner, qui veulent faire ci, ils le font s'ils veulent. Mais je suis pas là à courir après les mecs qui, enfin, voilà. Tu kiffes pas, bah, c'est pas grave. Fais ce que t'as à faire. Tu t'abonnes pas, bah, tu fais ce que, voilà, exactement, t'as tout compris. C'est bien, j'aime bien ton raisonnement parce que la plupart des rappeurs aujourd'hui, c'est les followers, c'est tout ça, donc. Oh, moi, je suis pas de cette génération et je crois que mon poteau, F de Givry, il est pareil, il est pas de cette, on n'est pas dans ses bails, je pense. F2, tu m'as envoyé une demande, mais ça n'a pas marché. Donc, Je suis là. Il est en bas, il est à côté, je le vois, moi. Moi, je t'ai pas vu, gros, ça va ou quoi? Tranquille, mais j'aime pas le brouhaha quand tout le monde parle en même temps, donc je préfère pas parler pour s'entendre, quoi. Bah, vas-y, Carapace, tu vas nous balancer un petit son violent avant de terminer. Ouais, je vous en fais une dernière, je vais manger. Et après, je resterai dans les lives parce que j'ai envie d'écouter le frérot. Parce que franchement, le frérot, moi, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Vas-y. Merci. Ah, mais tu le sais, on a déjà parlé, tu le sais. Bon. Oh, c'est bien. Ça n'empêche pas d'être poli, de dire merci bien et sûr. D'avoir le respect. Tout à fait. Ah, vous êtes des bons gars, oui. Je te balance, je vais te balancer celle que je t'ai faite quand je suis arrivé la première fois dans ton live. Bah, tu nous l'as pas encore fait celle en plus. Ça va te faire plaisir, je pense. Ouais. Ok. Si. Pas. Si près du but, si loin du butin. On a tous su que c'était quel, quoi. Dès qu'on a reçu notre premier bulletin, nos nerfs de mercenaires se meurent. Dans cette épaisse fumée qui nous fait croire que tout va changer quand on a mélangé notre tabac à changer d'ailleurs danger que nos buts, ils veulent se venger. De façon, je les aurai au bout de l'hameçon. Ma passion, c'est le son, quoi. Pas les cours ou les leçons. Garçon, va acheter bizarre un son qui vaut un trophée. Sache que je baisse tous les Nicky Larson qui en ont trop fait. On est tous truffés de ce vie, on verse tous à l'opinel. Pour nous, t'es qu'un os vie, donc je joue pas les criminels. Un œuf, mon départ, trop de seringues dans les parcs, le petit s'entraîne à mettre des tartes. Au cas où si les keufs débarquent, tu sais comment c'est gros, arrête de penser, je peux tout recommencer avec de quoi dépenser. Mais putain, tu crois quoi que la vie est belle? Et comme un été forcé à enfreindre les lois, sinon je suis sûr d'être endetté. Mais j'en ai rien à péter, bah combien de fois je vais répéter? Je fumerai un ouinja à la santé des keufs qui veulent m'arrêter. Celui-là, c'est Jean de la haine, anti-Marine Le Pen, avec un nitro dans les. J'ai laissé au vestiaire ma peine pour qu'ils sachent qu'à n'importe quel âge, dans la merde on nage. Et que c'est pas des petits en bas âge contre un de sauvage. Et ouais, c'est vrai, dans certains quartiers ça semble à Kaboul. Oublie pas de sortir à mais et fout ta cagoule. Coup de boule dans leur business, fonce à la Guinness et inscris-toi au fitness. Ma gueule, bah tu manques de finesse. J'ai pas te faire un dessin, je kiffe les petits boules et les gros seins. Invite Maya à l'abeille à se faire les tours dans mon essaim. Mon sang perce les tripes, t'as cité ta grippe, tes oreilles en profite. Dis-toi que je suis aviaire comme la grippe. C'est vrai que je pense qu'à teaser les traumatisés. Qu'avec le mal, on n'a pas accès en piétine. Le succès, vu que c'est niqué pour l'avenir, j'ai pas le ticket, passe-moi le briquet que je rallume mon sticket. Mes nerfs de mercenaires se meurent dans cette épaisse fumée qui me fait croire que tout va changer. Waouh, toujours autant de tuerie.
Merci. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien quand tu l'as fait celle-là aussi. Merci. Mais ouais, enfin, moi, merci. Les rappeurs, c'est impressionnant parce que du coup, ils ont un flow tellement rapide des fois que. Ouais. Attends, il y en a quelques-uns. Attention, moi, j'en connais un autre. C'est plus un flow qu'il a, c'est une sulfateuse. Même deux, trois, ils sont très, très forts. Ils sont très, très forts. Ah, n'hésite pas à leur dire de venir, hein, sur le live. Ah, il y a BAFS, BAFS. Il y a Mousse aussi qui débite ouais. grave. Ouais, Mousse, il est fort. Ah, Mousse, il est fort. On est d'accord. Il est très fort. Hein. Ah, Mousse, c'est une tuerie. Non, bah, dis-leur de. Ouais, je vais leur en parler. Et il y en a un autre, je crois que c'est Schizo. C'est pas Psycho, c'est Schizo, je crois, qui s'appelle. Lui, c'est pareil, il débite un truc de malade. Ouais, mais il y a des MC. Après, les gars qui débitent, t'as vu? Ouais. Et qui disent n'importe quoi, c'est pas bon. Après, ce que t'as dit, là, les deux, là, ils débitent et ils ont une réelle vie derrière, Voilà. t'as vu? C'est ça. C'est ça. Ils débitent pas pour débiter dans le vent. Je te jure que c'est construit et c'est vraiment propre ce qu'ils font. Mais je leur en Oh, parlerai. j'espère qu'ils pourront venir nous faire tout ça alors, que ce serait vraiment cool. Ouais. Le son que je fais, c'est mes sons, c'est ma vie. Je raconte pas les histoires des autres. Après, ça plaît pas. En gros, dans les grandes lignes, je m'en contrefous, t'as vu? Comme Carapace, comme les vrais MC, on s'en bat les couilles des gens. On n'est pas là pour faire de l'argent ou pour se faire connaître. Si on a l'occasion de faire de l'argent et de se faire connaître, on prendra. On va Mais le faire. moi, j'ai 43 piges. T'as vu, au jour d'aujourd'hui, j'ai bah mon temps est passé, t'as vu, comme on pourrait dire, je suis trop vieux. Mais si j'ai la possibilité, des concerts, j'en fais, des trucs, des bails, j'en fais. Après, j'ai pas la force pour je reste dans, tu vois, là, c'est des lives par rapport au confinement, machin. Et moi, je suis là que pour me faire plaisir. Quand ça fait plaisir, ça me fait encore plus plaisir. Si les gens, ils me donnent de la critique, eh ben, j'accepte toutes les critiques, même quand c'est de la critique négative. Parce que les gens, s'ils sont trop cons pour essayer de me faire de mes gonds, eh bien, ils sont trop cons, ils se renvoient la balle tout seul. Je m'en Ouais. bats les couilles. T'as raison, Non, c'est ça. c'est je trouve T'as qu'elle est raison. bonne. Toute critique est bonne à prendre, je suis d'accord avec toi, mon ref. Moi, je vais vous laisser, je vais aller grailler, je reste dans les coms. Et je vous souhaite une bonne Ça soirée à marche, mon tous. frérot. Eh, Bon vas-y, mets le appétit. feu. Mets le feu, Salut, F2. t'inquiète. Merci. J'attends que tu te remettes, tu regardes le live et j'arrive là. Je me mets dans ma caisse et je fais un petit truc. Ça marche. Vas-y. Pense à vous, les gars. Passez une bonne soirée. Toi aussi, Abonnez frère, gros Enzo, bisous. ça y Pardon. est, je suis abonné à tout le monde. C'est bon. Force à vous. Bisous, mon ref. Ciao. Ciao. Les amis, si vous voulez gagner un passage à Énergie pendant les vacances, n'hésitez pas, envoyez-moi votre demande, je vous prends, vous venez chanter et vous gagnez un passage à Énergie, la famille, En pendant les fait, vacances prochaines, émission de Mike. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Trois places ce soir, trois places, pardon, la semaine prochaine, et trois places dans 2 semaines, pardon. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde, autrement dit, il n'y a que 9 places. Vous allez devoir vous battre pour les avoir. Oh, Merci au fait désolé, je suis. à tous les gens qui ont. Parce que j'aime voir les commentaires là. Parce que, en fait, voilà, mais franchement, merci beaucoup. C'est super sympa. Il n'y a pas de souci, les gens ils ont dit ce qu'ils pensaient. Mais franchement, bravo. Enfin, le rappeur était J'ai chiant, je sais essayé pas son nom, mais. d'inviter une pote à moi, mais pour l'instant, elle vient pas. Bon, je fais un petit truc vite fait, ça vous dit ou pas? Bah vas-y frérot, hein, si t'es chaud, balance-nous la sauce. Bah, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Vas-y. C'est parti. F2G, alias l'escroc. C'est ça qui est bon. Écoute, écoute.
La patience a des limites, j'ai des limites, mais pas de patience, des passions, des passés, des passe-temps, des pecés. Un passé de commercial, quand je parlais commercial, les putains de commercial. On m'a dit, change de style, t'es pas sociable, t'es hostile, t'es instable, tu prends tout le monde pour cible, pas comme ça que t'auras une vie stable, non. Pas comme ça qu'on devient respectable, non. Ouais, j'ai la poule. Je vais faire celle d'après, désolé. T'inquiète. Ça a l'air pas mal, ça. J'ai aucune motivation, mes lacunes font que des mots activent l'action. Certains me trouvent désaxé, ils me conseillent d'aller consulter. Mais tous ces cons, je leur conseille d'aller ailleurs se faire insulter. Je me prends pas pour insultant, mais si tu insistes, tu me trouveras insultant. Je voulais la faire pépère, mais je suis obligé de monter un sileton. T'as pas compris, je ne fais pas dans le social. Mais d'ici peu, t'auras besoin d'une assistance spéciale. Peut-être que je suis space, mais je suis hall. Comme vous, je suis dans cet espace. Et s'il le faut, dans le goût, je te pousse pour avoir la première place. Et s'il le faut, je t'enrhume pour te vendre de la crème et des mouchoirs. J'espère que je reste compréhensible. Sinon, il est encore temps de monter en selle. Plus haute sera la chute, plus longues seront les séquelles. J'aime pas faire mal, mais si mes mots te mettent des coups, c'est cool. J'aime pas faire mal, mais si mes mots te mettent des coups, c'est cool. J'aime sûrement ce que tu détestes. Vos refrains, je les déteste. Ah, putain. Putz, dérape, c'est la même chaque fois que je rappe. Y'a pas de son sans mauvaise frappe, pas de son sans mauvaise raison. Je suis pas naze, mais de spi, plus de fait qu'un extase. J'analyse la tragédie, je m'élargis et c'est trop tard pour que t'agisses. Mon style ne laisse pas les potes anciens aux chiens, même si tu trouves que ça ne vaut rien. Pour moi, ça le fait bien. Je crache ma rage, joue avec les mots. Jamais de panne dans mon stylo, écoute ces mots tout chauds. Il est loin le temps du Far West, soit tenez façon frisson, ça frissonne façon glaçon. Lâche pas prise garçon, ce son qui vient d'Avalon. Droit au but comme le ballon rond, laisse de côté le ronron et ronronne ce... Putain. Ouais, désolé. Oh mais respect hein, le flow il est présent. Bon ça va, moi ça va, c'est assez cool. Franchement rien à dire, le flow il est grave là, l'instru elle est bonne en plus, t'as choisi la bonne instru pour le bon texte, avec des vibes un petit peu tristes, mais un petit peu en même temps cool. Non franchement chaud. Bon, j'ai pas fait quelque chose de bien, je vais essayer de refaire mieux si ça vous gêne pas. Vas-y, bien sûr. Je mets l'instru d'après. Vas-y. Et chez Watt. Chéra, monte. Ouais, je me cale sur l'instru chez moi, pas d'intru, il faut le dire, dans le rap y'en a trop. La planète est conquis, y'a toujours des conquis, sont contre quoi qu'ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a rien d'acquis. À qui vont-ils faire croire que nous ne sommes pas les gentils, les gens qui, à plat ou même déchantés, avancent. Mais qui dit que j'en suis enchanté, alors qu'ils se le disent. Mon rap comme ma vie est en chantier, je ne me plains pas car je ne suis pas à plaindre. Je prends cas par cas et le temps que je dis ça, les problèmes s'accroient. Oui c'est ça, je sais qu'importe ça croit, mais sur la balance... mais sur la balance, la pull-up, désolé. Putain, je fais que de la merde. Non. On a freestyle. N'importe quoi. Ah! Allez, bien. Eh, MTG alias escroc. Je me cale sur l'instru, chez moi pas d'intrus. Faut le dire, dans le rap y'en a trop. La planète est conquis, y'a toujours des conquis. Sont contre quoi qui ne se rendent pas compte qu'il n'y a rien d'acquis. À qui vont-ils faire croire que nous ne sommes pas les gentils, les gentils à plat ou même déchantés. Avance mais qui dit que j'en suis enchanté, alors qu'ils se le disent m'arrive. Est en chantier, je ne suis pas à plaindre. Je me plains pas parce que je ne suis pas à plaindre. Je prends cas par cas et le temps que je dis ça, les problèmes s'accroissent. Oui c'est ça, chacun porte sa croix. Mais sur la balance, elle ne pèse pas le même poids. Deux poids, deux mesures. Alors je prends quelques mesures pour me convaincre que je m'assure, que je m'assume, que je n'écris pas pour rien. Je m'accroche, même si glissant que la paroi. Sur la trotteuse, je pose ma voix. Cela dit, je ne l'aime pas. Je me motive à chaque fois. Quoi qu'il en soit, la foi en moi, je l'ai. Allons bon, allons donc, il n'y a que mes textes que je lis.
ou une histoire pour les petits. J'ai tout un jambon et ne suis pas mauvais. Alors pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu veux que je m'en vais? Pourquoi tu ne penses qu'à ta gueule? Et pourquoi quand je bois trop, je dégueule? Qui veut tester? Qui n'a pas encore eu l'envie de me détester? Je veux bien me faire plier, mais dis-toi que je suis pas du style à supplier. Il est vrai que je suis trop gentil, mais il n'est pas impossible que je déjanton. Ah, il n'est pas impossible que je déjanton. Je n'ai jamais... Oh, l'instru est fini. Putain. Non, mais en vrai, ça reste pas mal. En vrai. Vas-y, tu peux continuer, frérot. Ah, ça m'aide pas. Bon, c'est reparti. Merci à vous. Franchement, pas de problème, force. Merci à toi. T'as, j'ai le live. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on aime, c'est ça qui est bon. Hey, hey, hey. Il change de style, t'es pas sociable, t'es hostile. T'es instable, tu prends tout le monde pour cible. Pas comme ça que t'auras une vie stable, non. Pas comme ça qu'on devient respectable, non. Mon nom, c'est Frédéric, natif du 5-8. Grandi dans le 8-9, vers chez moi, rien de neuf. Si, plus de keuf. Sarkozy kiffe comme Koff ou plutôt Adolphe. Il te l'a pas le type, gare à toi, grand chef. Bourgogne, ça chauffe, ta parole de pute, commettra ta chute. Je te crame comme ma boulette. Faut au bout du rouleau, je prends une feuille, un stylo. Je te fume comme Marie-Jeanne, je ranime ma mine. La feuille s'imprègne, pour moi, ça baigne. Le spliff, je consomme jusqu'à ce qu'il m'assomme. Et machin, sur mes textes, je m'acharne. Le spliff, je consomme jusqu'à ce qu'il m'assomme. Et machin, sur mes textes, je m'acharne. On m'a dit de voter pour les Verts. Les seuls qui pourraient légaliser la BR. Moi, de tout, j'en ai marre. Quand je touche, t'as pas de barre. Et même si c'est un toncard, dans le gouffre, j'y suis. Loin du bord, je suis. Pas de leur bord, je suis. Ma vie, rien à voir avec un film gore. Ni bon chic, bon genre. Je te réexplique si je n'ai pas été assez clair. Dans mon verre, que de la bière et... Dans mon verre, que de la bière et pas d'alcool fort. Sinon, je suis ni comme un phare sans lumière. Et ça, c'est dur de le confondre à mes frères. Eh, les efforts faits nous évitent les forfaits. C'est fort ça. Nous nous efforçons à tous être forts, toujours plus forts dans le son. Eh, si tu le sais, c'est que t'as ressenti les frissons. Nous nous efforçons à tous être forts, toujours plus forts dans le son. Et si tu le sais, c'est que t'as ressenti des frissons. Fuite, but, je débute. Et je dérape. C'est la même chaque fois que je rappe. Y'a pas de son sans mauvaise frappe. Pas de son sans mauvaise raison. Je suis pas naze, mais depuis plus de fait qu'un ecstasy. Tu réalises la tragédie, je m'élargis. Et c'est trop tard pour que t'agisses. Mon style ne laisse pas les potes anciens en chien. Même si tu trouves que ça ne vaut rien, pour moi ça le fait bien. Je crache ma rage, joue avec les mots, j'en mets deux pannes dans mon stylo. Écoute ces mots tout chauds. Il est loin le temps du Far West. Façonné façon frisson. Ça frissonne façon glaçon. Lâche pas prise, garçon. Ce son qui vient d'Avalon. Droit au but comme le ballon rond. Laisse de côté le ronron et ronron. Sur ce beat qui donne. Moi je suis chaud et shoot, je prends un doute sur ma réussite, cette réussite pas cuite. Comme un gardien, je l'arrête. Ce but, putain de but, cause de ma défaite. Je suis pas le dernier à me lancer sur ce beat. C'est mental excité. Direct, on t'emballe, cesse de t'exciter. Ça sonne pour moi de la balle. Attention, faut pas que je bute ni que je cale. Elle apostrophe S0CS. Jamais tout seul, le beat je laisse. À tel point, j'en fais flipper. Tu remarques, y a pas de flop. N'écoute pas si ça te choque. Hip hop, elles sont toutes croques. Ah, la maladie du HIP a chopé. Je t'ai chopé, scalopé, puis j'ai troqué comme un Gucci. Comme une salope, je suis un mec. Ouais, je suis pas dedans, désolé les gars. Mais c'est allez, arrête, c'est si, c'était super bien. Tu rigoles ou quoi? C'était hyper cool. Non, je me sentais pas dedans, mais merci de la force que vous apportez, quoi. Bah, y a pas de problème, c'est normal. Moi, je te dis qu'est-ce que je pense. Tu sais bien, si j'ai un truc à dire, je vais te le dire. Hein. Faut pas croire. Hein. Ouais, c'est bien, t'as vu, je suis abonné même à par toi. Rapport, ouais. Même par rapport au texte, si j'ai un truc à dire, je vais te le dire, tu vois. Alors que là. Non, le texte, il était vraiment bien. Si vous voulez dire, si vous avez des idées dans les commentaires de choses à dire, bah allez-y. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et franchement, j'ai kiffé de ouf ce que t'as, la vibe, ce que t'as balancé. Salut Logan. Chéri, envoie une demande. Because, envoie une demande aussi si tu veux. Ouais, les gens qui regardent le live, partagez le live là, qui est du monde quoi. Parce que j'ai fait le tour des lives là. Il y a pas de kickage, il y a pas de freestyle roulette. Ouais, après, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Je m'incruste quand on accepte mon invitation, je viens et franchement, moi, c'est toujours plaisir. Ouais, non, mais je dis la vérité. Bah, comme, t'inquiète, poto, franchement, c'est un plaisir de t'avoir. Moi, c'était cool d'avoir fait ta connaissance. C'est la première fois que tu passais sur mes lives. Donc, franchement, petit kiff. C'est vrai que j'ai beaucoup de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Chaque semaine, des nouvelles têtes.
Et franchement, c'est super bien. Alors, on vous l'invite, Chira, parce que Chira, vous allez voir. Mais une petite question, est-ce que tu composes tes instrus tout seul ou tu. Enfin, genre. Non, non, il n'y a que mes textes, comme je dis, moi, mais les textes que j'écris, c'est ma vie, c'est pas la vie des autres. Et quand j'écris sur quelque chose qui n'est pas ma vie ou que c'est un truc de vécu, bah, ça s'entend dans le texte que c'est un truc de vécu. C'est autrement, je raconte pas, tu vois, comme plein de rappeurs, la une vie illusoire, quoi, t'as vu, où hop, tu vois, des gamins de 12 ans, ils chantent qu'ils ont vendu 10 shit, qu'ils roulent en Merco et machin, ils ont 12 ans. Quoi. Ouais, bien sûr. Bah après, c'est ce qui fonctionne, donc c'est pour ça qu'ils le font, les gosses. Hein. C'est ça. Voilà. Ils sont bons, oui, t'as vu. Après, c'est plus la même génération. Comme je dis, j'ai 43 piges. T'as vu, aujourd'hui, bah, à part me faire plaisir à faire du son, je peux bien rien sûr. Faire d'autre. Salut, Chira. Coucou, ça va? Ça va? Ouais, toi. Grosse loupe, je vous laisse. Salut. Ouais, gros bisous, frérot. Reste sur le live, hein. N'hésite pas à envoyer si t'as des potes rappeurs, etc. Leur envoyer le live, leur dire de venir. Des potes chanteurs, chanteuses. Je partage un peu, mais t'as vu, les gens, je sais pas. Parlez-en comme autour de vous de l'émission, les gars, je compte sur vous. Merci, ma gueule. Pas de soucis, frère. Prends soin de toi. À bientôt. Samedi prochain, si tu veux. Salut. Salut, salut à vous. Ciao. Eh, ma chéra, comment ça va? Écoute, fatigué, mais tranquille, tranquille. T'as passé une bonne semaine? Pire semaine de ma vie, vraiment. Ah ouais? Vas-y, ouais. Raconte. Le travail, c'était incroyable, au secours. J'avais plein de contrôles tout le temps, c'était horrible. Ah ouais. Ouais, les contrôles, ouais, c'est assez casse-couille, j'avoue. J'en ai pas, moi, donc je m'en bats les couilles, mais c'est vrai que pour ceux qui en ont, c'est assez... Je suis le genre de mec à narguer, t'as vu. T'es méchant, ouais. Méchant, méchant. Mais une question, et Nora, elle peut pas venir? Nora, je sais pas du tout, j'ai pas de news. Par contre, ok, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, il est comme bloqué. Alors attendez, je sais pas. Alors attendez, j'en sais rien, mon téléphone, il est bloqué. Au pire, non, non, pas... non. Non, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu, bref. Je rappelle qu'on est diffusé en live sur Instagram et sur YouTube, 21h15, les gars. Je crois qu'il est 21h15. On est toujours en plein instant d'incroyable talent. Je rappelle pour les deux élus de la soirée, plus le public, et ben, il y a un passage à négocier sur Énergie. Donc, trois passages sur Énergie pour les trois gagnants de la soirée. Donc, si vous voulez passer... C'est le moment, les gars, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Il n'y en a que 9 pour les vacances prochaines. Donc, si vous voulez passer, c'est le moment de vous bouger, la famille. Déjà, je pense qu'on en a un, au moins une déjà. Ouais, pour l'instant, on en a au moins une. Hein. Ça, c'est. Parce ouais. que t'en penses, Aurèle. Mais... Alors, je vais te faire un petit truc. Ah C'est du rap ou du chant déjà? Du chant. Ah, c'est plus moi. Chira, elle chante. Tu vas voir, c'est du très lourd aussi. Oh non. C'est plus pour moi, du coup. Bon, on part sur quoi, là? Un petit peu de Lady Gaga ou de Harry Styles? On part sur... pas de la K-pop, en tout cas. Pourquoi t'aimes pas? Aucun des deux. Non, je suis pas ouf de K-pop, non, j'avoue. Après, on va partir sur du mar... Hey, est-ce que tu connais I One for Christmas with you? All I want for Christmas with you. Voilà, c'est mieux comme ça. Est-ce que tu serais de la faire celle-là? Oh non, en plus je la connais même pas. Enfin, je la connais. Bah, moi, je peux faire le premier couplet si tu veux. Bah, vas-y, tu nous feras ça. Vas-y, fais-nous le premier couplet, voir. Ok. Ok. Allez. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you wow. could ever know. C'est lourd. Make my wish come true, baby.
All I want for Christmas is you. Ah oh là là, c'est fort, 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 fort. Des bémols qui balancent le mec. Aïe, 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 aïe. Attends, du coup, je me disais que c'est ma cam parce qu'on n'avait pas d'échauffe. C'est du très, très, très lourd. Okay. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh les gars, est-ce que vous pouvez me lire les derniers commentaires parce que j'ai plus accès aux commentaires. Ah, moi, je les ai. Ok, bah écoute, on va écouter d'abord Shira chanter. Parce que la pauvre, elle est là depuis 10 minutes. La pauvre, elle n'a pas pu s'exprimer de ouf. Désolé, c'est un peu la course hein, ce soir, c'est dur. Lola, j'ai du mal à gérer. Je connais la version espagnole. Bah viens nous la faire, Lola, la version espagnole. Viens nous la chanter. Je vais même pas tenter, parce que je sais que je vais rater et je vais pas tenter. Mais non. Non, mais je vais briser la chanson. Méline. On va éviter. Je connais pas les paroles, donc bon. Bah alors au pire des cas, Aurélie, on s'en fout si t'as pas la K-pop. Fais ce que tu veux. Chante sur quoi que t'es plus à l'aise. Ouais, mais moi je la préfère sur de l'anglais. Elle chante tellement mieux sur de l'anglais. Ouais, mais si elle est à l'aise sur autre chose, elle est à l'aise sur autre chose. Faut pas qu'elle se plante aussi. Tu vois? Bah, vas-y, fais ce que tu veux. Et je vais tenter. Voilà. C'est bien parce que je suis gentil. Hein. C'est surtout parce que je suis ta pote. C'est ça. Voilà. C'est sûr, ouais. T'as pas tout à fait tort. Méline, viens chanter aussi si tu veux. Alors, attendez, Méline, elle chante bien. Okay. Passage à énergie à gagner, je le rappelle. There is in the sky. Oh, si. Burning in your eyes. You're looking me, babe, I wanna catch on fire. It's very cold. Like can you find me gone? You found a side of me that I couldn't find. But when I'm all choked up, and I can't find a word. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. And the band won't play. I always remember us this way. Lovers in the night. Moments right or right. We don't know how to write, but time we try. I don't really know. You're where I wanna go. The part of me that you will never die. The one I won't check the bed, I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the time goes down. The band won't play. I always remember us this way. Oh yeah. I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. When I'm all choked up and I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the bell won't play, I always remember us this way. When you look at me in a worn-out face, I always remember us this way.
Oh là 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 là, quelle voix. Quelle voix. Quelle voix. Waouh, waouh. Putain. Merci. Ah, y a concurrence, hein. Il y a concurrence entre Shira et. Putain. Et l'autre côté qui est pas tout à l'heure, et Race, hein. Il y a quand même. C'est serré là quand même. Pour moi, pour l'instant, je vais pas te mentir que c'est mes deux gagnantes. Hein. Ouais, bah pareil. Pas te mentir, mais ouais. Merci. C'est bien parce que là, on va être d'accord, je crois, sur les gagnants du soir. Est-ce que quelqu'un veut passer dans le live se concurrencer à Shira et à Race? Passé, qui est passé tout à l'heure. Race, qui est passé avec son joli accent russe. Accent russe. Et sa jolie voix. Franchement. Son doux timbre de voix. Ou Shira, qui est passé à l'instant avec son joli accent anglais. Sa jolie façon de chanter. Sa voix aiguë mais grave en même temps. Son beau coffre. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez vraiment envie de vous frotter? C'est ça que j'ai kiffé en fait. Eh bah, allez-y, envoyez une demande et vous pourrez peut-être, je dis bien peut-être, gagner votre place sur l'antenne d'énergie entre parce que, du coup... le 27 et le 7 janvier. Ah bah c'est vrai. Parce que du coup, en fait, pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, vous pouvez réécouter du coup le live sur YouTube hein, parce que là, franchement, j'ai une demande. Ah. Allez, c'est parti. On prend le prochain. On perd pas de temps, les gars. Chanteur, chanteuse, chanteur, je vais vous laisser. Rappeur, rappeuse. Je vous fais des bisous. Tu restes pas avec nous? Je sais pas. Je vais peut-être rester dans les commentaires ou je vais aller faire autre chose sur Insta. Enfin, je vais voir. Ah okay. Ouais, tu nous lâches comme ça. Ouais, mais viens à la fin quand même parce que si tu as gagné, il faut que tu sois là pour savoir. T'inquiète. Tu as gagné. De toute façon, si t'as un empêchement. Moi ou Aurélien, on t'enverra un DM pour te. Okay. Ouais, si t'as gagné, je te dirai en message. Et d'ailleurs, toi, il va falloir qu'on s'appelle là. Faut que je t'attrape après le live. Ouais, non, mais là, je suis désolée. Je suis tombée vraiment après ça. Je suis allée voir ma mère. On a regardé un truc. Après, je suis tombée de fatigue. Vraiment, je. Limite, j'ai comaté dans mon lit. Non, mais vas-y, t'inquiète, on fera ça ce soir. Bah, j'essaierai d'être là pour la fin. Donc, au cas où, je vous fais des bisous. Et merci pour ce plein de bisous à toi aussi. Prends soin de toi et à tout à l'heure du coup. Ok. Parce que quoi qu'il arrive, bravo, bravo. Et ouais, franchement, félicitations. Mais tu sais bien, moi, c'est pas la première fois que je t'entends, moi. Donc voilà. Et moi, j'ai eu des frissons. Hein. Allez, bisous, ma chère. Prends soin de toi. Alors. Quel est le nouvel invité? Alors, je sais pas. Visiblement, il n'est pas encore là ou elle n'est pas encore là. Nathan qui a envoyé Nathan Margot qui avait envoyé non, mais c'est mon cousin il rappe pas bon du coup est-ce que quelqu'un d'autre veut venir mais en vrai franchement mais waouh enfin il y a de la Mélissa, concurrence quand même Tailleur salut Julien, salut. Je rappelle qu'on est diffusé en live sur Instagram et sur YouTube. C'est ça. Si vous voulez passer, vous envoyez une demande. Exactement, faites votre demande. Et sans pression, les gars, vous inquiétez pas, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Absolument pas, jamais. On n'est pas là pour ça. Alors là, il n'y a plus personne, les gars. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il n'y a plus grand. On va peut-être finir beaucoup plus tôt que prévu finalement. Alors que de base, on a eu beaucoup de personnes qui voulaient passer ce soir. Mais c'est vrai qu'en même temps, là, en une heure, t'imagines frérot, en une heure, on a fait passer 10 personnes. 10 ou 12 personnes. C'est-à-dire que c'est la question la plus carrée que j'ai faite. C'est pas un truc que j'aime de. Enfin, après, je dis pas que j'aime pas le rap. Mais c'est un truc, le rap, c'est pas mon domaine, on va dire. Ouais, je comprends, je vois bien. Mais voilà, pour moi, il y a quand même Race et Shira, franchement, c'est pas mal. Ouais, bien sûr, en tout cas, pour moi, c'est mon préféré. Après, voilà. Si toi, tu veux choisir un rappeur, il n'y a pas de souci. Hein.
Ouais. Mais en non, vrai, mais franchement, là, c'est bravo à tout le monde. Ouais. Deux filles qui m'ont vraiment, Ouais, vraiment choqué. Moi, c'est mes coups de cœur. Moi, c'est mes Ah, coups de moi, cœur. ce soir, c'est. Ouais. Pour Bon, l'instant, ce bah, je sont aussi pense mes qu'on va coups de finir cœur. comme Peut-être prévu. qu'on. Bah, franchement, je vais voir parce que je suis en train d'envoyer le live à d'autres personnes. Mais après, franchement, je suis content Bah, parce c'est que là, on a fait passer 10 personnes. Les gens, ils ont eu le temps de s'exprimer, ouais, ils ont eu le temps de faire leur petit. Donc, franchement, je suis content. Moi, je trouve ça c'est ça. important. Et Je suis honnêtement, vraiment moi, ça content m'aide parce d'avoir que, pu. en fait, si tu veux, moi, j'ai beaucoup de latence entre mon doigt et l'iPad. En fait, si tu veux, entre le moment où je pose mon doigt, je fais le geste pour faire des filets, il y a beaucoup de latence. Pourquoi, je sais pas. Pourtant, je suis en filet, hein. Mais je sais pas, Je vois, il ouais. doit y avoir un bug, je pense. Je vois bien, je vois bien. Non, Tac, je franchement, vais envoyer bravo une à à tout Inno. le monde. Comme ça, Voilà au à moins. tout le monde, de toute façon, maintenant. T'as dit quoi? T'as pas des groupes, genre, tu sais, t'as pas des groupes à qui tu peux envoyer le live directement? Genre. Oui, si, bien sûr, j'ai des groupes. Évidemment. Évidemment. Hop, je vais l'envoyer ici. J'ai un Alors, cherche ça en tête maintenant. je rappelle hein, pour ceux qui rejoignent le live que le cadeau à la fin du live pour les gagnants, C'est c'est un passage à Énergie pendant les vacances. Donc, Belgique. exactement. Ah, désolé, mais du coup, c'est ce que je pense. Parce que, enfin, je pense que comme on vient pratiquement tous de France, tu vois, je dis bien pratiquement, parce que Non, pas voilà. forcément, non. Tout le monde n'est pas de France. Non, Pour j'ai moi, dit Énergie Belgique et Énergie pratiquement. France, c'est exactement pareil. Ça reste Énergie. C'est ça. Mais À en fait, cahier. j'ai kiffé l'émission avec Mike en vrai. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Eh ouais, bah tu vas passer ton test. Salut Osem. Mais j'ai vu SK34. les stories que t'es passé récemment, je crois, sur la Belgique. Je sais plus avec qui là. J'ai vu dans ta story. Ah, j'ai eu une demande. Ah, on va C'est peut-être pas finir parti. plus tôt que prévu finalement. Moi, je paierai, il nous a envoyé. Alicia, Alicia, viens. Salut, salut. 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 Ou une guitare, non? Pour le passager, du Ça va ou coup. quoi? Vous êtes tranquille, vous? Ça va, tu viens de Marseille, et Tranquille. toi? Montpellier. Je suis de Marseille à la base, mais je vis à Montpellier maintenant. Un temps Ah, avec l'accent. tranquille, tranquille. Bon alors tu fais du son? L'accent de On Marseille. essaye! On essaye! Ok. Rapper, chanter. Rapper, Rappeur. je pense. Voilà, ouais, c'est. La Vu la base. voix, je pense que. T'as Vous une êtes belle plus voix comment? rappeur, toi. School, boom bap. Vous êtes quoi? Boom bap, frappe. Drill, si t'as. Drill, j'ai pas encore fini d'écrire dessus. Donc je vais pas me tâter là-dessus, t'as vu? Qu'est-ce que tu pourrais nous faire? Un petit son de trap, t'as de la trap? De la trappe, de la trappe. Alors attends, je peux te trouver ça. Chier. Guérabite, t'es où toi? Ou le Par vieux contre, clavier. ton téléphone, on t'entend. Comment? Mets-toi proche de ton téléphone, on t'entend super mal, frérot. C'est mieux là? Tu m'entends mieux? Nickel, parfait. Ok, nickel. Alors attends, il est sur la chaîne du mec. Parce que là, je la trouve du coup. Que tu l'attrapes. Le mec a un clavier mécanique. Ouais. Obligé. Sinon, je casse les touches. T'es un bon toi. Tranquille, tranquille. Ah, elle est où la prod? Alors, elle est où la prod? Salut. Ah, elle est là. Salut. Salut. Salut, salut. Salut. Je sais pas qui Bon, on c'est est qui est bon? arrivé, On peut y mais aller, je salut. prends la Allez, prod. vas-y, frérot, tu peux lâcher le truc. Pareil. On va vite. Exprime-toi. Ah, j'ai une Juste, je nouvelle peux pas vidéo. rester trop longtemps. J'ai le son qui T'inquiète. sort de la carte son, donc forcément il sort du casque, vous n'allez pas l'entendre. Si je quitte le live comme ça, c'est normal. Pas de problème. T'inquiète. Allez, on est bon. Oh, la prod, elle a l'air vénère par contre, putain. Ok. 3-4, tu connais. Esca. La familia.
Ok. Ya. Sans artifier, débit des verres, des rimes sévères, lyrics clairs, retour d'esca sans signer, absorbite éclair, naturel, y'a pas de vis ici que eux délire, mes récits existent que eux résistent face à l'hérésie. C'est un flow fluide que tes gars avalent. Même si beaucoup trouvent ça me dit donc on est pas au carnaval. C'est le. Elle est pas démarrée ou quoi? Non, elle a pas démarré, désolé. Pas même la plupart, donc de mes rimes, gars, tu peux rien m'enlever, tu peux juste répéter que je le mérite pas. Mais mon appétit pour plus ne me quitte pas. Plus tu montes, plus tu te rends compte, tu peux tomber vite bas. Plus ça rentre, plus je suis loin du compte. Je continue, j'avance, même si c'est vers la fin du monde. C'est la vie, tu veux m'apprendre, parle-moi des risques, mec. Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas, il y a longtemps que je l'ai pas kické. Ça te dérange si je pull up? Vas-y, pull up. T'inquiète. Aurel? Ouais, gros. Je reviens, je prends mon téléphone. Vas-y. Ok. C'est bon. Sans artifier, débit des verres, des rimes sévères, les rixes clairs, retour d'esca sans signe, herbe sur vite éclair. Naturel, y'a pas de devise ici que eux délire, mes récits existent que eux résistent face à l'hérésie. C'est un flow fluide que tes gars avalent. Même si beaucoup trop ressemble, ça dit toi qu'on n'est pas au carnaval. C'est le S, c'est le K pour un retour inattendu, la familia. Rime tranchant, découpée, toute une langue pendue. Tu veux tirer une taffe ou deux, prends un ticket, fais la queue. Je brûle que la meilleure veut, pas du shit qui pue le pneu. À l'odeur de mon split, te fais saigner du nez. À la skunk, je suis parfumé, je t'inquiète, escarpé fumé. J'aime piller la plantation, tu cherches des sensations. Pas plutôt jouer la salope sur l'île de la tentation. Défonce à la centimilia. J'ai trouvé le dossier d'extrême dans le stream de Cécilia. Mon son dérivé d'opium. Je vais pousser mes lyrics sous des lampes à sodium. Mauvaise fréquentation recherchée par la douane. Vas-y, jette ta cam, on plante pour ton padawan. Mon son dérivé d'opium. Je vais pousser mes lyrics sous des lampes à sodium. Mauvaise fréquentation recherchée par la douane. Vas-y, jette ta cam, on plante pour ton padawan. J'entends que ça piaille, ils disent qu'on est taille. Mais nous, ça fait torser le mec attaché sur les rails. Et nous, c'est le train, le poli. Tout terrain, ouais, solide. Tout terrain, nique les hautes sphères. Un stylo dans le holster. Oh, faut jaloux. Mais je pléchette et mon poster. Je trace ma route comme la roquette qui shoot l'hélicoptère. Spice, style qu'il poster. Tu connais mon crew. Le son fait danser les loups, pas besoin de Kevin Costner. Ici, y'a plus de prime, y'a plus de rimes qui pue le crime. Moi, c'est vite, c'est l'ultime. C'est des Boeing dans ton building. C'est haute tension. C'est hausse le niveau d'un cran. C'est baisse la musique en France. Nous, on voit les choses en grand. Énervé, jamais content depuis que business m'a mordu. Je respecte ce que tu traites de mec instable. Tordu, c'est du nique tout pour le tout, pour beaucoup d'oseille. On a le son qui te bouffe un bout d'oreille. On a le son qui te bouffe un bout d'oreille, man. Bouffe un bout d'oreille, man. On a le son qui te bouffe un bout d'oreille. Bouffe un bout d'oreille. Est-ce que... Pas même. Je fais pousser mes lyrics sous des lampes à sodium. Mauvaise fréquentation recherchée par la douane. Pas si j'ai ta cam, on plante pour ton padawan. Mon son dérivé d'opium. Je fais pousser mes lyrics sous des lampes à sodium. Mauvaise fréquentation recherchée par la douane. Vas-y, jette ta cam, on plante pour ton padawan. Pas même la plupart, donc te mets rime, gars. Tu peux rien m'enlever, tu peux juste répéter que je le mérite pas. Mais mon appétit pour plus ne me quitte pas. Plus tu me plus tu te rends compte, tu peux tomber vite bas. Plus ça rentre, plus je suis loin du compte. Je continue, j'avance, même si c'est vers la fin du monde. C'est la vie, tu veux m'apprendre, parle-moi des risques, mec. Tu pourrais me prendre à part si t'es du fisc. Dans l'industrie du disque, on évolue. Et teste-moi mon truc, les bandes que j'ique, les zones que je pollue, le shit que je brûle. Mauvaise influence, donc chacun fait ses choix et paye le prix de son imprudence. C'est pas mentir dans mes raps, même si t'insistes. C'est un esprit, mais nique le civisme, je suis pas l'instit. Comme tu comptes dans le game, pas au bout de notre peine. Tes critiques valent rien, tu veux juste notre pain. Yo. Ouais, en vrai, ça passe, ça. Ouais, il est très chaud. Il est très chaud. Il a vraiment une voix pour ça. T'as vraiment une voix pour ça, frérot. Franchement, lâche rien, continue. T'as quel âge? Tu viens, vas-y, présente-toi un petit peu pour les gens qui te connaissent pas, parce que c'est la première fois que tu viens sur le live. Moi, c'est ce cas, je suis parti du coup, la familia. Ouais. Voilà. Là, je suis sur mon projet d'EP qui va se faire en 6 mois. Mmh. Voilà. Moi, je viens de Montpellier, j'ai 30 ans. Ça va faire. J'ai commencé, j'avais 13 ans dans les cours, quoi, au collège. Ouais. On a commencé comme ça, comme tout le monde. Après, ben, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai travaillé, qui je me suis amélioré. Puis là, voilà. Enfin, ça commence à se déboucher pour nous, quoi. On va dire ça comme ça. Bah écoute, je te souhaite le meilleur dans le son. Après, juste, moi, je peux juste demander. Une petite pub.
pour ceux qui sont chauds, le 11 décembre. Le 11 décembre à Saint-Quentin dans le 02, concert rap de La Familia, du coup. Saint-Quentin, je suis pas loin, je vais venir te voir. Obligé. Voilà, concert à Saint-Quentin dans le 02. Tu me fais ça gratos, hein. Perso, je crois pas qu'on fera payer, je crois pas que l'entrée soit payante en vrai, t'as vu. Non, mais vraiment un concert au Kraken. Là, tu m'envoies un message, on va en parler. On va en parler. Tu vas me dire si c'est où, c'est au Splendide. C'est au Kraken, à Saint-Quentin. Okay. Ben, tu m'envoies l'adresse. Et moi, je passerai, je suis à une demi-heure de Saint-Quentin. Donc, vas-y, je passerai faire un petit coucou. 11 décembre, pas de souci, frérot, je retiens la date. Pour ceux qui veulent savoir, il y aura il y aura Dodo Yes sur la scène, moi, Doc Black, Daddy Lion. Qui c'est qu'il y a d'autres encore? Il y aura MC Paco. Et toute Black, la famille. Oh, il y a Doc Black FSR. Oh, on sera là, les gars. Je serai là, promis. Voilà. On va rappeler au pire des cas. Alors, après, les gars. Il faut savoir, les gars, ce que j'ai bien précisé, c'est un concert à La Familia. Donc, s'il y a le temps, c'est peut-être possible qu'il y ait un open mic, s'il y a le temps. Parce qu'on est quand même 30 MC à passer sur ça. Ah ouais, quand même. Donc, après, c'est. Ouais, bah, il n'y a pas de souci. Tu m'enverras tout par message. Open mic. Non, mais de toute façon, moi, à partir du moment où on peut se checker, les gars, moi, ça me va. Mais carrément, mais voilà, c'est pour ça que j'en profite pour passer la petite pub du 11, tu vois. Venez, si pas vous êtes problème. Chaud. Bienvenue, bien vu, frère. T'as eu raison. Voilà. T'as eu raison. On sera là. Il y aura du monde de partout dans la France parce que La Familia, ce n'est pas juste le Nord, c'est toute la France. Donc il y aura de partout. Il y aura de Albi, du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Ça vient de partout. Et voilà. Yes. Représente La Familia. Bah, merci à toi, mon gars. Merci beaucoup, en tout cas. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à lui. Ah, abonnez-vous au frérot, je compte sur vous. Il n'y a pas de problème, gros, t'as un vénère, qu'est-ce que tu fais, continue comme ça. Si mère, ça fait plaisir. T'es un bon, pas de problème. Big up à vous. Big up à toi, frérot, prends soin de toi et envoie-moi tout l'adresse et tout en DM. Envoie tout en DM, c'est bon, je me suis abonné à toi, je t'envoie tout en DM. Pas de soucis, mon ref, merci beaucoup. Avec plaisir. Pull up. Allez, la mif. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent monter, Méline? Méline qui est dans les commentaires depuis tout à l'heure, je t'observe. Est-ce que tu veux monter Tu vas voir, Méline, c'est quelque chose. Non, j'ai plus accès aux commentaires, mais je vois qui est sur le live. Tu vas voir, Méline, elle chante très, très, très bien aussi. Ah, mais du coup, peut-être que je te le lise, du coup. C'est tout cool. Honnêtement, si elle peut monter, ça peut être vraiment... Hein? Est-ce que tu connais Blondet Léa 22? Est-ce que je connais qui? Blondet Léa 22. J'allais l'inviter justement en plus. D'accord, bah écoute. Parfait. Elle chante aussi. Ah oh, bah voilà. Bon, moi je pense qu'il va y avoir de la concurrence. Ah, on verra. Après, c'est que ça va être plus dur pour nous, du coup. Vomère les poussins. Salut, Vomère les poussins. Hey, salut, Louis. Mais je sais, t'inquiète pas, Louis, je t'ai vu tout à l'heure. Dès que t'es arrivé, je t'ai vu. Hein. Enfin, j'ai vu ton... Je t'ai vu quoi. Enzo, je t'avais dit que je viendrais. Bah, salut, ouais, mon Louis, gars. Louis, c'est un poteau, franchement. C'est un très, très bon poteau, franchement. Ok. Bon, bah, les gars... Je crois qu'on n'a plus grand monde, là on n'a plus personne. Hein. Donc je pense qu'il est grand temps d'annoncer les deux gagnants. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'on est d'accord. On aura fait 2 heures d'émission, enfin 1h45, un peu plus. On a fait passer 12 personnes. Je pense que c'est déjà pas mal. On a eu le temps, nous, de faire nos avis sur nos deux gagnants. Nos deux gagnants de la soirée, donc je le rappelle, hein, un passage à énergie pendant les vacances de Noël. Donc les deux gagnants devront évidemment m'envoyer leur numéro de téléphone par message pour que je transmette tout ça. Et de mon côté, bah tiens, on va faire Enzo avant. Ah, t'es un bâtard. Bon, bah, vas-y, je choisis alors. Bon, alors ce soir on a eu vraiment beaucoup de talent
Et chaque personne qui est passée était très talentueux, comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait cette émission, on découvre des nouvelles têtes, on découvre de nouveaux talents. D'ailleurs, merci à vous à chaque fois d'être aussi présent, d'être autant partageur, etc. Donc vraiment, vous êtes extraordinaire et je vous aime plus que tout. Vraiment, vous êtes, je vous aime tout simplement. Alors pour moi, ce soir, j'ai deux gagnantes. Ah, moi aussi. Pareil, on a J'y vais comme ça. J'y vais comme ça. Moi, j'ai deux gagnantes ce soir. Pareil. Parce que ça a vraiment été très fort et de base, j'aurais dû en choisir une seule à la base ou un seul d'ailleurs. Mais là, pour le coup, je vais pas vous mentir que c'était trop dur. Le niveau était beaucoup trop élevé ce soir pour en choisir. Ah non, c'est le premier, t'annonces la deuxième. Et moi, j'ai choisi. Roulement de tambour. Moi, j'ai choisi 9, 8, 7, 6. J'annonce le premier, j'annonce 5, le deuxième ou comment on fait 4, 3, j'annonce le premier, 2, vas-y. 1, 0. La personne qui est passée en tout premier dans le live ce soir, mon coup de cœur officiel, le coup de cœur que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, que j'ai connu en soi aujourd'hui. Reiss, première gagnante de ce soir. Du coup, je vais la parole à Enzo pour qu'il puisse nous dire la première. Attends, laisse-moi finir. Voilà. Je vais donner la parole à Enzo pour qu'il puisse nous dire ce qu'il a pensé de cette émission, qu'il puisse dire ce qu'il a pensé de vous ce soir et qu'il puisse nous annoncer du coup sa gagnante. Alors, franchement, vous êtes vraiment, enfin, franchement, il y a, enfin, vous étiez vraiment tous vraiment géniaux. Franchement, c'était super. J'ai kiffé. C'est pratiquement 2 heures d'émission. Franchement, j'ai grave kiffé. Franchement, à refaire sans hésiter. J'ai grave kiffé. Enfin, franchement, vous étiez rappeur, chanteur, chanteuse. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien. Franchement, il y a eu vraiment du très, très lourd ce soir. Mais on a quand même eu en tout cas moi personnellement j'ai eu 2 coups de cœur, donc Reiss comme tu l'as dit, et aussi alors comment je sais plus son nom, je crois je sais c'est qui moi, mais je peux pas l'annoncer à ta place, ça se fait pas. Attends, mais, oh putain la honte dis-nous la chanson qu'elle a chantée. Elle a chanté donc de Lady Gaga. Donc franchement, elle a une voix cette fille, c'est Sherazade. Voilà Shera, voilà merci. C'est Shera la grande gagnante. Franchement, c'est les deux grandes gagnantes. Donc c'est Reiss et Shera. Franchement, Reiss et Shera. Exactement. Super. Donc, Reiss et Shera, vous verrez ce message également en story si vous regardez les stories Insta. J'attends vos numéros de téléphone dans les 24 heures prochaines, dans les prochaines 24 heures plutôt, pour transmettre tout ça à la programmation de l'émission d'énergie. Et du coup, on vous donne rendez-vous entre le 27 et le 7 novembre en live sur Énergie le soir. Non, 7 janvier, Aurèle. Oui, et le 7 et le 7 janvier, voilà. Merci Enzo de me reprendre. Entre le 27 décembre et le 7 janvier. Donc, j'attends vos numéros dans les prochaines 24 heures. Et voilà, merci à vous d'être passé en tout cas ce soir. Vous êtes nos 2 coups de cœur. Et encore une fois, merci 1000 fois. C'est ainsi qu'on va clôturer cette émission d'Instinct d'incroyable talent. C'est ça. Deux prochains gagnants la semaine prochaine, du coup. Samedi prochain, rendez-vous, hein, 20h, évidemment, le rendez-vous est pris. Vous savez très bien comment ça se passe. Chaque merci. Semaine, ça se passe comme ça. On aura encore 3 autres gagnants la semaine prochaine, puisque là, on va faire le gagnant du public, hein, évidemment. En story. C'est ça. Donc voilà la famille, je vous remercie à vous tous d'être passés. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et du coup, je vous dis à samedi prochain. Peut-être demain, si j'ai envie, on va faire un petit live, on verra bien. Un petit live chill, un peu tranquille. Voilà, exactement. Mais l'Instinct d'incroyable talent, saison 2, épisode 4, pardon, s'achève maintenant. Merci la famille, merci d'avoir regardé. De rien, Shera, c'était avec plaisir. Je te fais un gros gros bisou, prends soin de toi. Et je t'appelle là. Petit secret. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Salut la famille, tout le monde. Je vous aime fort, fort, fort de fou. Je vous aime d'amour. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, que ce soit YouTube ou Instagram, peu importe. On se donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine à partir de 20h. Bisous, la famille. Et du coup, à la semaine prochaine, tout simplement.
Allez, bisous l'ami, bisous Enzo, merci d'être passé encore une fois. De rien, jury parfait. Avec plaisir. Voilà. Et merci à tous ceux qui sont passés encore ce soir. Je vous aime.